139 as we stand here in the presence of the Lord. I just want to read a couple of verses from there. Quelques versets dans Psalm 139 verse 2 says, Psalm 131. You know when I sit down. Tu connais quand je m'assieds. You know when I rise up. Et tu connais quand je me lève. You understand my thought from afar. Tu comprends mes pensées de loin. You scrutinize my lying down. Et tu frayes mon chemin. Even before a word is on my tongue. Même avant que je ne puisse prononcer un mot. You know it all, O Lord. Tu connais toutes choses, Seigneur. You have enclosed me behind and before. Tu m'entoures devant et derrière. You have placed your hand upon me. Et tu as placé ta main sur moi. Where can I go from your spirit? Où puis-je m'éloigner de ton esprit? Where can I flee from your presence? Où puis-je fuir de ta présence? If I ascend into the heavens, you are there. Lorsque je monte vers le ciel, tu es là. If I make my bed at the bottom, you are there. Et si je descends dans l'abîme, tu es là. Your hand will lead me to the ends. Ta main me conduit vers la, jusqu'à la fin. Even the darkness is not too dark to hold you. Même le ténèbre ne peut pas te retenir. You have formed my innermost parts. Et tu as formé mon cœur. You have knit me in my mother's womb. Tu m'as façonné dans le dedans de ma mère. And so I will give thanks to you, O Lord. Par conséquent, je te rends la grâce, For Seigneur. I am fearfully and wonderfully made. Car j'ai été merveilleusement créé. How precious are your thoughts to me, O Lord. Tes pensées sont précieuses à mon égard, Seigneur. How precious are your thoughts. Tes pensées sont précieuses à mon égard. And the last word says, search me, O God. Et le dernier verset dit, sonde-moi, Seigneur. And know my heart. Et connais mon cœur. Test me. Teste-moi. And know my anxious thoughts. Et connais mes pensées anxieuses. This evening, as we're standing here, ce soir, pendant que nous sommes ici, there are people with anxious thoughts. Il y a des personnes avec des pensées d'anxiété. But if there is one thing that can comfort us, mais s'il y a quelque chose qui peut nous conforter, it is that we worship a God who knows the deepest parts of our mind. C'est que nous adorons un Dieu qui connaît les pensées profondes de nos cœurs. The deepest thoughts that run in our heart. Les pensées profondes qui sont dans nos cœurs. Every worry. Chaque souci, every trial, toute épreuve, every temptation, toute tentation, to go against who God is, qui peut venir à l'encontre de qui est Dieu pour nous. He knows that, il connaît and cela, he understands that, et il le comprend. And so let's take comfort in the fact. Alors trouvons notre réconfort dans le fait. That this evening, dans le fait que ce soir, even though something really unbearable has happened in our life, même si quelque chose d'insupportable nous est arrivé, God knows it all. Dieu connaît toutes choses. He is still in control. Il est toujours au contrôle. And he's gone to be with Jesus. Et il s'en est allé pour aller être avec Jésus. And so he's gone to a better place. Il est dans un endroit meilleur. A place which is beyond all of this. Un lieu meilleur que ce lieu. And so let us find rest. Let's find rest in that thought. Alors trouvons réconfort dans cette pensée. Find rest, my soul. In Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar. So I will be still.
still. I will be still, for you are God. I will be still. I will be still, for you are. Tell yourself one more time, I will be still. I will be still, for you are. I will be still. Trust in you, my heart will trust in you, my heart will trust in you, my heart will trust in you. Shall we sing that together? My heart will trust, my heart will trust in you. Yes, my heart will trust in you. Yes, my heart will trust. My heart will trust in you, and you, and you, yeah. My heart will trust in you. Yes, my heart will trust. My heart will trust in you, in you. My heart will trust. Come on, tell that one more time. My heart will trust in you. My heart will trust in you, yeah. My heart will trust in you, yes. My heart will trust. My heart will trust in you, yeah. My heart will trust in you. My heart will trust. My heart will trust in you. Trust in you, though I walk through the valley, though I walk.
trust in you, all of my hope in you, all of my dreams are in you, and I will not be shaken, Father. We will not be shaken because we put our trust in you, Father. Take us and mold us. Make us into who you want us to be. Shape it, Father, because your word says that everything works together for the good. Everything works for the good. Everything works for the good of those who love him. That's what your word says, Father. Everything works for the good of those who love him. And so we will put our trust in you, Lord, and in you alone. In you alone, Father. Hold us by the hand. We give you all the glory, all the honor, the power and the praise. Belongs to you. Give you the glory. We give you the glory. In the midst of everything, we give you the glory, Lord. You deserve the glory, the praise, for you are in control of our lives. God's people said, amen, amen, amen. Shall we be seated? Bonsoir à tous. To everyone. On va passer rapidement à notre moment de témoignage. So now we are going to hear some testimonies. Et j'appellerai la première personne, c'est l'une des personnes qui est proche à. So the first one is one of the person who is really close to our brother. C'est son oncle. Is his uncle. Alors j'appellerai Fiston Kabuya de monter. So we call upon Mr. Fiston Kabuya to come up and give a testimony. Junior Kabuya. Junior Kabuya, sorry. Il va nous parler de la vie de. So he's going to briefly talk about the life of his brother. Je vois qu'il est l'une des personnes qui a été avec Rudy avant sa mort. He's one of the person who was with Rudy before he passed. Et pendant qu'il a été hospitalisé. So since he was admitted in the hospital. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant qu'il est pour l'encourager? Can you encourage him as he's coming up the stage? Bonsoir. Good evening, everyone. Je m'appelle Junior Ilunga. My name is Junior Ilunga. C'est pas Junior Kabuya. It's not Junior Kabuya. Je suis l'oncle de Rudy. I am Rudy's uncle. I know. I look younger. Je sais que ça, je parais un peu jeune. C'est là, il a l'habitude de m'appeler tonton. That's why he used to call me uncle. Mais bon, j'avais l'habitude de refuser. Parce que bon. So most of the time, I was telling him not to call me uncle. Parce que quand on était petit, il était d'abord plus grand de taille. Because since we were a child, he was taller than me. Mais quand on a grandi, je suis devenu plus grand de taille. We grew up, I became taller than him. Mais bon, il a eu la barbe et moi, j'avais pas de barbe donc. So he had beard and had no. So. Qu'est-ce que je peux dire pour Rudy? Il y a beaucoup à dire. You know, there are so many things to say about Rudy. Je vais essayer d'être bref. So I'll try to briefly talk about that. Vous avez connu Rudy. You all knew Rudy. Il était actif. He was very active. Il était. Il s'est sacrifié pour les autres. You know, he was really to sacrifice himself for others. C'est pour cela que la plupart de vous n'étiez pas au courant de sa maladie. I know most of you were not aware of his sickness. Parce que
il n'avait pas le temps pour que vous ayez des craintes pour lui. Because he did not want you to worry about his case. Parce que il avait plus le temps pour les autres, mais il était sûr que il allait revenir vite et être là encore pour les gens. You know, since he had time for others, he was actually willing to come back stronger in order to help people. Je vais aller à 6 mois d'ici, allons vers juin juillet. You know, six years back from six months back from last June, I think. On avait déjà découvert sa maladie. You know, they've already discovered his sickness. En fait, c'était une maladie qui avait attaqué le cœur. It was a sickness that was related to his heart. Les docteurs disent que c'est une maladie rare. And the physicians say it is a very rare sickness. C'était vraiment rare que ça atteint près de 1 sur 1000 de la population. And out of 1000 people, only one is suffering from that sickness. Et mon frère souffrait de cette maladie. And my brother also was suffering from that sickness. On avait l'option de faire la chirurgie. You know, we had an option so that our brother would undergo that surgery. Ou bien laisser. Or to just leave it. Si tu laisses, les docteurs disent que l'état du cœur n'était pas bon. So, we had two choices. So, if we had to leave it and not make him undergo the surgery, the physician say it is a very bad case. Et si vous faites la chirurgie, and if he undergoes that surgery, il y a un pourcentage de chances. Donc c'était pour l'aider pour qu'il vive plus longtemps. So there was a chance for him to live for a certain period of time. Donc on a décidé de prendre la chirurgie. So we decided to go for that surgery. Rudy a été opéré le 22 décembre. So our brother underwent that surgery on 22nd of December. Le 22 décembre, l'opération s'était bien passée. On 22nd, the surgery went well. Mais le 23 décembre, but le matin, on 23rd, the coming morning, le cœur s'était arrêté. So the heart stopped beating. Alors les médecins étaient obligés de le réanimer. So the physician had to actually connect him to a machine to help him or to help his heart to beat. Du 23 au 28, le cœur de Rudy était supporté par des machines. So from 23rd to 28th, his heart was actually was connected to a machine that was helping him to actually help his heart to beat. C'était pour aider le cœur à récupérer pendant ces temps parce que la réanimation était un peu longue, donc il fallait placer les machines. That was to artificially help his heart to beat. Donc, la réanimation avait eu son côté aussi. Il avait été réanimé, mais il y avait d'autres organes qui avaient été touchés après la réanimation. But after that process of being connected to that machine, there was some other part of his body that were affected by through that sickness also. Du 23 au 28, il y avait aussi les reins qui ne fonctionnaient pas. So from the 23rd to 28th, even his kidneys were not working properly. Alors, pendant ces temps, même les médecins nous ont dit que la situation
étaient critiques. So during that period, even the Philistines told us that the situation was becoming critical. Eux-mêmes nous ont même demandé de prier. And they even requested us to pray for that case. Mais on était positif. C'était pas facile de 23-28. But we kept our faith from 23rd to 28th. Il s'est battu. Il était fort pendant ces temps. Il était fort. So he was struggling and strong during that period. He was strong in that moment. Il était fort pendant ce temps. He didn't give up. Il n'a pas abandonné. You know the situation of when you know the situation, but you can tell him, but you have to go and see him. But when you see him, he's looking at you. Vous savez, quand vous avez la connaissance de la situation, est difficile à lui dire, et quand vous le regardez, and he's looking at you, et il te regarde en retour, and with his strong look, avec un regard aussi fort, we know where he got it, the one who made his father. You know what I'm talking about. Je sais, pour ceux qui ont rencontré son père, vous savez de quoi je suis en train de parler. You have just to go and to give him courage. Tu dois juste aller pour l'encourager. We're positive, we're really positive. Nous because himself was fighting hard. Positif really parce hard. Qu'il était en train de se battre durement. In hospital, as you know, Sam, he was really curious. Vous savez, quand j'étais à l'hôpital, quand vous connaissez, Sam était très curieux. He was there in his situation, but you go and visit him. The first thing he's asking you was a picture. Vous savez, malgré cette situation, quand tu vas le rendre visite, la première chose qu'il demandait, c'est une photo. You were really surprised. You are worried. You are going to see him. Nous étions surpris alors que nous inquiétions pour son cas, mais lui. You reach and he's like looking at you. First thing is like. Mais lui te regarde, te demande de prendre une photo. Yeah, because he asked me before, like I want the memory of everything, how it will go. Parce qu'il dit, je voulais avoir la mémoire de toutes les choses, comment ça se passait. So he's asking you for a picture. Alors il demandait de prendre une photo. So for that, when you see that. Alors quand tu vois ce chose. You have just to be strong. Tu n'as qu'être fort. As till the end, he was just teaching us. Et jusqu'à la fin, il continuait à nous apprendre, à nous enseigner. He was just teaching us to be strong instead of us. Il nous enseignait. Giving him courage, he was the one teaching us to be strong. J'enseignais comment être fort. Au lieu que nous puissions l'encourager, mais c'était plutôt lui qui nous encourageait à être fort. On 28. Et le 28. And to continue to 28, 29. Partant du 28 au 29 décembre. The doctor was telling us it was fine. Le docteur nous a dit que la situation s'améliorait. We have just to give him time. Nous devons juste lui donner le temps. And he just need to get rest. Et il devait se reposer. And because kidneys just need time to recover, so doctors told us to leave him and he has just to take rest. Parce que les reins demandaient du temps pour que ça reprenne le bon fonctionnement. Alors le docteur nous a suggéré de lui laisser le temps de repos. From 31, partant du 31, 31 to 1st January, au 1er janvier, they called us and they told us that the lungs are not working also properly. Ils nous ont appelé, ils nous ont fait savoir que même ses poumons ne fonctionnaient plus comme il faut. And they just said that. It will be fine. They will arrange it. Ils nous ont juste rassuré que tout va bien se passer. Ils vont arranger ça. And yes, of course, in 2nd January. Et le 2 janvier.
second and third January, they told us that his state is normal, that it's fine. Et le 2 et 3 janvier, nous ont appelé pour nous faire savoir que son cas, son état était bien. But on 4th January, mais le 4 janvier, on 4th January at 4:30, le 4 janvier à 16h30, AM. À 4h30 plutôt, they called us to the hospital. Ils nous ont appelé à l'hôpital. They told us that his lungs again are giving trouble to him. Et ils nous ont encore dit que ses poumons lui posaient encore problème. He couldn't breathe properly. Il ne pouvait plus respirer correctement. The doctor came to us directly. Et le docteur est venu nous dire directement that he's trying his best, qu'il fait de son mieux. He's trying his best. Il essaie de son mieux. But he's not sure that. But he's not sure that he's gonna make it. Mais il n'était pas sûr qu'il allait s'en sortir. We have just to pray. Nous devons juste prier. And just ask us to pray. Even ask us if we can go and see him. Et il nous a demandé de prier et si nous pourrons aller et revenir le voir. Et c'était déjà vers 4 heures, on devait aller et rester avec lui. So we were there. Alors the doctor is trying. The doctor was trying. Le docteur essayait. But he told us that his lungs was blocked. Il nous a dit que ses poumons étaient bloqués. So that he couldn't breathe properly. Alors qu'il ne pouvait plus respirer correctement. Around 6:30. Et environ 6h30. This time he came to us. Alors le docteur vint à nous. But that time he told us that. Mais en ce temps-là, il nous a dit. I had a hope. Il a dit que j'avais de l'espoir. Because since we were in front, you can even see that his machine, it was kind of. You just see that's hope, and he said, even me, I saw it. I was in front. Parce qu'à regarder, quand vous étiez devant les machines, vous pouvez voir quand même il y avait de l'espoir. But when he checked, alors quand il a fait le test, he saw that his heart was already giving up. Il a vu que son cœur avait déjà complètement cessé de fonctionner. Alors son cœur était en train de s'arrêter. So in that time he came to us and told us just. He tried his best, but he's not gonna make it. Alors, en ce temps, le docteur nous a dit, il a fait de son mieux, mais c'était compliqué, n'allait pas s'en sortir. At 7:30, they ask us to go out. Et à 7h30, ils nous ont demandé d'aller à l'extérieur. We waited outside. Nous avons attendu à l'extérieur. But they called us back at 9:00. Mais nous ont rappelé à 9h. And they told us that my brother passed away at 8:45. Et ils nous ont dit que notre frère était mort à 8h45. You know, you have
I can just say one thing about this time we went through. Je vais juste dire une chose par rapport au temps que nous avons eu à traverser. Samuel fought. He fought till the end. Vous savez, Sam s'est battu jusqu'à la fin. Till the end. Jusqu'à la fin. On 3 January. Le 3 janvier. Sam was not able to open his eyes because they gave him some medicine to make him Sam sleep. N'était pas en mesure d'ouvrir ses yeux parce qu'on lui a donné certains comprimés pour l'endormir. But they say that if you talk to him, mais he can hear you. Si vous lui parlez, il peut vous entendre. So, on 3 January, alors le 3 janvier, to talk to him. J'ai essayé de lui parler. Even though it was even though it was just a simple sign, but he tried to respond. Même c'était juste un petit signe, mais il a quand même essayé de répondre. He tried to respond. Il a essayé de répondre. We don't know what he went through. Nous ne savons pas ce qu'il a traversé. We don't know the pain he was. Nous ne savons pas la douleur qu'il a endurée. We don't know the pain he went through. Nous ne connaissons pas la douleur qu'il a endurée. But every time we went to see him, mais à chaque fois que nous allions lui rendre visite, he was always positive. Il était toujours positif. And that was the message I was giving to him every day. Et c'est le message que je lui donnais chaque jour. We called each other Baba. Nous nous appelons mutuellement Baba. Every day I was telling him, Baba. Je lui disais chaque jour, Baba. Be positive. Sois positif. Was Baba be positive and? Je lui disais, Baba, sois positif. He was looking at me. Il me regardait. And all the time he was, because he had tube in his mouth, he couldn't talk, so he had just to shake his head. Alors, comme il ne pouvait pas parler, il ne faisait que bouger sa tête. Every time I was, Baba, be positive. Et à chaque fois, je lui disais, Baba, sois positif. And he was. You know, always leaving his hand and showing you. Et il levait sa main pour me montrer. I'm sorry, Baba, that I'm crying now. Désolé parce que je pleure maintenant. Sam was really an interesting guy. You know, all of you, you know, he was really interesting. Et comme vous tous vous le savez, il était très, c'était un garçon très intéressant. It's an honor for me to be his uncle. Alors c'est un honneur pour moi d'être appelé, d'être son oncle. Even though I told him that, just put that uncle beside. Même si deux fois je lui demandais de ne pas m'appeler oncle, mais de mettre de côté
le fait de m'appeler oncle. First of all, I'm your friend. Premièrement, d'abord, je suis ton ami. And my friend, we had a lot of promises to realize. Et je vois qu'il y a beaucoup de promesses à réaliser. So, Sam, where you are now, I want to tell you that. Alors là où tu es maintenant, je veux te dire. We have realized some promises when we were kids. Nous avons eu à avoir certaines promesses alors que nous étions enfants. We have realized some of them. Nous avons réalisé certaines de ces promesses. We took dad to a dinner. Nous avons eu à aller faire un dîner. We paid for him. Nous avons prié pour lui, à payer pour lui. We banished dad. Et nous avons banni cela. En retourne, on a puni papa. He was making us to do a lot of push-ups. Il nous a demandé de faire le pump. So he came to see us on our ground. Alors il est venu nous voir alors que j'étais en train de faire le pump. Sur terre. Il est venu nous voir ici. Ça c'est notre terrain à nous. Okay, he came to see in this land. He came to visit us in this land. We said that we'll make for him a hard bed. Et nous avons dit que nous préparerons un lit pour lui. So that he will complain. Pour qu'il puisse se plaindre parce que le lit sera vraiment dur pour lui. We left the fridge empty. Nous avons vidé le frigo. So that he will pay for us food. Pour qu'il achète la provision pour nous. Je sais que c'est juste quelques promesses parmi tant d'autres. It is just some promise among all the promises we had. But realize some of them. Mais nous avons eu à accomplir certaines de ces promesses. I love you, my friend. Je t'aime, mon ami. Rest in peace. Repose en paix. À cause de notre temps, je demanderai aux prochaines personnes de. Due to lack of time, I'm going to ask the next person. D'être un peu court et précis. To be short and precise. Alors, je vais demander à Abel. So I'll be calling Brother Abel. Abel Sinda qui va nous. Parler en une ou deux minutes rapidement. If we can try to be short. Bonsoir à tous. I greet you all. J'aimerais parler un peu de ce que j'ai connu de Rudy. I would like to talk about what I know about Rudy. J'ai connu Rudy, si je ne me trompe pas, c'était en février 2015. I met Rudy in the month of February 2015. C'était au travers Pascal. It was through our brother Pascal. Ouais, une fois on était parti prier là-bas, c'était dans une période que moi-même personnellement j'étais juste à peine accepté Jésus réellement. So once we had a prayer moment, and it was a time that I've just received Jesus Christ as my Lord and Savior. Ouais, mais depuis ce temps-là, on n'était pas du tout ensemble, mais on se saluait du moins. And from that time, we were not really close. We've been just greeting each other.
Mais l'année dernière, l'année 2017. But last year, 2017. Rudy m'avait tellement impacté dans beaucoup de choses. Really, Rudy actually impacted me in so many things. Je me rappelle, c'était au mois de janvier. And I remember it was in the month of January. C'est juste dans notre communauté. It was in our community. On était en train de faire les élections. We were going through election. Pendant la campagne. So during the campaign. Moi et mon ami qui avait postulé. So I and my friend was a candidate. Dans notre équipe. So in our team, Rudy n'était même pas parmi de parmi nos coéquipiers. Rudy was not even a member of that team. Mais soudainement, but all of a sudden, une fois j'étais chez moi, once I was at my place, Rudy lui-même est venu me dire que non, Abel, je suis prêt à vous soutenir, même si je ne serai pas avec vous, mais je vais parler de vous partout où j'essaie. So Rudy came to meet me and said, I want to give you my hand to support you in what you are doing, even if I'm not a member of your team, but I'll be doing a campaign for you. Dieu nous a fait grâce, on avait gagné. God grace, we won that election. Et on l'avait proposé s'il peut servir dans la communauté. And you asked him to have a post in the community. Pendant que c'est bénévolant. So actually, it's free to work in that community. Ici à Bangalore, in this community, in this town, beaucoup de Congolais refusent de servir leurs frères congolais. No, most of the Congolese are not willing to serve some other Congolese. Mais lui le faisait. But he was willing to do that. Il y a des temps où on passait du temps ensemble jusqu'à minuit. So there was a time we used to spend time till midnight. Pour le bien-être de nos frères et sœurs. For the welfare of our brothers and sisters. Je me rappelle bien. I remember. C'était juste au mois d'août. It was in the month of August last month. August of the last l'un year. L'un de nos frères congolais aussi qui était mort. One of our brothers who also passed away. On était juste avec quelques Congolais. We were with some Congolese. Rudy aussi était parmi nous. Rudy also was in that team. D'ailleurs, on avait utilisé son téléphone et ses crédits. Actually, we used his phone to make some calls. On avait appelé ses parents. We called his parents. Moi-même personnellement. I personally. J'avais pris le téléphone de Rudy. I took Rudy's phone. J'étais entré avec dans la salle de coma. And I went in that ICU where our brother was admitted. Juste prendre des photos et envoyer chez ses parents. Only to take some pictures and send to his parents. Pendant que nous étions à l'hôpital, so at the time we were at the hospital, Rudy nous aidait à communiquer avec ses parents et nous ramener l'information. Rudy was helping us to be in touch with the parents of that brother who was admitted in the hospital and give us the news about the family. Pendant que d'autres Congolais restaient chez eux, whereas other Congolese were doing their business. Surtout ici, appeler les Congo à partir de Bengal, c'est pas facile. As you know, calling, making an overseas call, it's very costly. Mais lui nous aidait juste à appeler les parents de ce monsieur-là. But he was willing to give us to actually give his phone and call our country. C'est un gars qui était vraiment sociable. You know, he was a man who was really social. He was willing to help others. Dans beaucoup de choses cette année, l'année dernière. In so many things last year. Dans notre communauté congolaise. In our Congolese community. Moi, je l'appelais toujours héros dans l'ombre. I used to call him a hero in the shadow. Parce qu'il n'était pas visible devant tout le monde. Parce que he could not show himself up. Mais au moins, il était parmi des gens qui se battaient pour notre communauté. Yet he was the one fighting for our community. C'est quelqu'un qui m'avait donné encore le goût d'être un patriote. You know, he was the one who gave him that strength, that courage of being a Congolese. Il avait vraiment quelqu'un qui aimait sa communauté. He was the one who was really interesting or caring for his community. Il avait le sens d'abnégation en lui. He had that sense of serving. Parce que je me rappelle dernièrement, il m'avait même branché. I remember last time he gave me a connection. He connected me. Il y avait un boulot là, les Indiens cherchaient les gens qui parlaient bien français. So there was a job, there were some Indian people looking for a speaking person, a French speaking person. Et lui-même les a appelés. And he called those people. J'étais parti là-bas.
I went there. J'ai fait mon interview. I did my interview. Et puis après juste quelques jours de mon interview, and after my interview, j'étais tombé malade. I fell sick. Pendant que j'étais malade, so as I was sick, il appelait toujours ces gens-là pour leur dire que pour leur demander de patienter parce que je suis encore occupé, préoccupé, pardon. He kept calling those Indians to tell them to be patient because he told them I was busy. Et au moment où je m'étais rétabli, so at the time I got recovered, il m'avait dit même moi-même je suis prêt à t'accompagner encore. And he told me I'm willing to lead you or to take you to those people. Et puis après quelques temps seulement, and after a few times, j'étais retombé encore malade. I felt sick again. Et lui pendant ce temps il faisait ses examens. So during that time he was writing his exams. Je ne pouvais plus parler au téléphone. I could not call him. Mais lui gardait toujours contact avec ces gens-là pour leur demander de patienter. But yet he kept calling those Indians to ask them to be patient. Mais au moment où je crois, si je ne me trompe pas, c'est juste deux semaines avant. If I'm not wrong, 2 weeks ago. Au moment où je suis sorti de l'hôpital. So as I was discharged from the hospital. Et j'étais totalement abattu. I was really tired. Mais il était parmi des gens qui me confortaient. But he was among those people were coming to comfort me. Il me disait toujours, Abel. He kept telling me, Abel. C'est vrai que avant que tu sois admis à l'hôpital, on planifiait d'étudier ensemble. It's true that before you were admitted in the hospital, we've been planning to study or to learn together. On n'avait pas pu trouver l'opportunité parce que tu étais malade. We couldn't make it because you were sick. Mais je suis de cœur avec toi. But I'm still standing by your neck, by your side. Et juste avant que tu sois opéré, il était venu chez moi. Il était venu chez moi. So before the surgery, he came to my house. Il est venu me visiter et puis on avait prié ensemble. D'ailleurs, lui priait pour moi. Malgré moi, j'étais tellement fatigué, je ne voulais même plus prier. J'étais déjà déprimé. So he came to my place and he was praying for me, since I was not able to pray. Et puis le lendemain, Joël m'apprend. So the next day, our brother Joel came and tell me. Lui aussi on doit l'opérer. So that even Rudy has to undergo the surgery. Je me suis posé des questions. So I wondered. Il est comment ce monsieur? How is he? Lui-même il est souffrant. He's even sick. Il ne regarde pas ses problèmes, il vient juste me consoler. He doesn't care about his issue, but he came to comfort me. Et j'ai en moi-même. So I myself, I said to myself. On n'avait pas pu trouver encore l'opportunité de nous revoir et parler avec Joël. We had not an opportunity to meet again. He was talking to Brother Joel. Moi aussi, je lui ai dit seulement à travers Joël. Dis-lui seulement si je regagne la force, je viendrai le visiter. So I told him through Joel, I said, if I am back on my feet, I will come and pay a visit to you. Et malgré ça, Rudy m'avait tellement inspiré. So in spite of all those things, I was really impacted by Rudy. Parce que ce que j'ai appris de lui, j'ai quand même l'opportunité de connaître plusieurs Congolais. You know what I learned from him? I had opportunity to know about so many Congolese. Mais il était parmi rares de ces Congolais là qui s'est donné corps et âme pour les bien des autres. But he was really among those rare people, Congolese people who were really willing to serve others. Il n'était pas parfait, certes. Though he's not perfect. Mais au moins. But at least. Personnellement, moi-même, je me poussais encore à être meilleur. I personally was pushing me to be better. Parce que depuis qu'on s'est connus, because since we met each other, des fois, nous autres, peut-être, il y a des fois, ça nous arrive de venger contre les autres. You know, sometimes we really want to vindicate ourselves. Mais je ne sais pas. But I don't know. Lui, je ne l'ai jamais vu même discuter avec quelqu'un. I've never seen him having an argument with someone. Donc, à chaque fois, on se voyait. So whenever we've been meeting. Même si des fois on est fatigué, il vient toujours que non, Abel, pourquoi ça? Il faut être courageux. Even if we are tired, he will keep encouraging me. Et il venait très souvent nous visiter avec Joël. So he used to come to my place. À chaque fois, je me rappelle, c'est au moins de jouer, m'appeler même pour me relater de, je crois, c'est lui, ce Junior, pour me relater, il y a l'un de mon oncle qui veut renouveler son passeport, il faut enregistrer son nom. And I remember in the month of July, he was telling me, I have an uncle who wants to renew or to extend his visa, you have to, his passport, so you have to help him do that. Il nous a envoyé même la photocopie de son, de quoi, de son passeport à travers WhatsApp. So he even sent to us the copy of the passport of his brother or uncle. Je crois que Rudy, même s'il est parti trop tôt, I remember, I know that even if he went really soon,
Mais il a aussi contribué dans la vie de plusieurs Congolais ici à Bangalore. But I know that he has impacted in the lives of so many Congolese in this town. Directement ou indirectement. Directly or indirectly. Nous dans la communauté congolaise de Bangalore, on est tellement reconnaissants. So we in the Congolese community in this town of Bangalore, we are really grateful. Parce que Redou nous a aussi servi, nous a aussi aidé. He has also helped us. Donc là où il est. So wherever he is. Que son âme repose un peu. May his soul rest in peace. Nous sommes tellement reconnaissants et puis nous laisserons toujours. We are really grateful and we will continue to be. Merci beaucoup. Je demanderai à Carole. Carole. So we're going to call Sister Carole. Carole qui est sa cousine, elle va. Carole, she's his cousin. Bonsoir à tous. I greet you all. Je m'appelle Carole. My name is Carole. Et Rudy était mon cousin. Rudy was my cousin. Alors, comme vous le savez tous, as you know, Rudy c'était quelqu'un de très occupé entre ses études, ses fonctions à l'église et comme il l'avait dit aussi dernièrement. Rudy has so many occupations from the school. He was also a member of the choir in the church. Et comme il l'avait dit aussi dernièrement, qu'il avait été nommé dans le gouvernement de Bangalore, je crois. And he also told me recently that he had a post in the Congolese community in this town. Mais malgré le fait que Rudy était quelqu'un de très occupé. So in spite of having all those occupations. Il avait toujours le temps pour. N'importe qui. He always had time for anyone. Rudy, je pouvais l'écrire à n'importe quel moment, j'avais tel problème ou j'avais besoin qu'il m'aide pour telle chose. You know, anytime I could text him and say I have some problem, come and help me. Moi, je ne vis pas à Bangalore, je vis un peu plus loin au sud de l'Inde. You know, I'm not living in this town of Bangalore, I'm living in the south of India. There is another town. Et parfois, je pouvais l'appeler pour pouvoir vérifier pour moi des choses ici à Bangalore, vu que c'est une grande ville comparée à la mienne où je vis. You know, at times I could call him and say, can you try to check this and that for me because it's a great city compared to where I'm living. Et malgré le fait qu'il était très occupé, il faisait de son mieux de trouver du temps pour pouvoir faire ce que je lui avais demandé. You know, in spite of having all those occupations, he would always have time for me to do what I was asking him to do. Et comme mon oncle Junior l'a dit. You know, like my uncle said. Junior, Rudy, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de projets. Rudy was someone who had many projects. Et on en parlait très souvent. And we've been talking about that more often. Et à part le fait que Rudy était mon cousin, on était aussi amis. You know, beyond being cousin, we were also friends. Junior d'ailleurs le répétait toujours que Rudy c'est ton ami. Il le disait souvent. Rudy Even c'est plus ton ami que ton cousin. Our uncle used to say, Rudy is more your friend. Is your friend more than being your cousin? Parce que on se disait tout, il me disait tout, je lui disais tout. Because on était très attachés affectueusement. Et we were really open to each other. We were really close. Et et le 4 janvier. And on 4th of January. Je me rappelle une semaine avant que je vienne ici à Bangalore. I remember one week before I traveled to Bangalore. J'étais malade, j'étais fiévreuse et tout ça, et j'avais appelé Junior pour lui dire que je viendrais un peu en retard, je pourrais pas être là pour son opération parce que j'étais vraiment très fiévreuse. I was sick and I was suffering from flu. I'd called our boy and say I may come a little bit late because I'm not feeling well. Et Junior l'a dit à Rudy. And our uncle Junior told to Rudy.
Et c'est comme ça, je me rappelle, Rudy m'a écrit, il m'a dit, non, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit ce que j'avais, il m'a dit que non, ça ira, prends juste tes médicaments. Et c'est là que je me suis dit, moi j'avais juste de la fièvre, alors que lui, il était sur le point. And I remember, Rudy, when I called the uncle and said, I'm not going well, Rudy texted me and said, take just some tablet, will be well. And I asked myself, oh, this man is, I'm just suffering from flu, but look at, he has to undergo a surgery, but still, he's texting me to encourage me. Oui, je lui ai dit ça. Je me suis dit, lui, il était sur le point d'avoir une opération qui était très sérieuse. And I said, he was about to undergo a surgery that was very serious. Alors qu'il s'inquiétait plus pour moi. But yet he was worrying about me. Et c'est là le monsieur qui a, quand il a dit que Rudy c'était ce type de personne, je me suis dit, oui c'est vrai, c'était vraiment ce type de personne. À s'inquiéter plus pour les autres que pour lui. When our brother say Rudy was more caring about others than himself, I have to actually confirm it. It was very true. Et le 4 janvier. And on 4th of January. Je dormais chez une camarade ici à Bangalore. I was in this town at my friend's place. C'est là que mon oncle Junior m'a appelé. Je pense qu'il était 6 heures. That's when our uncle Junior called me. It was 6 a.m. Et il m'a dit que les médecins lui avaient dit, leur avaient dit que l'état de Rudy s'était aggravé. And he told me the doctor said that the case or the state of Rudy was becoming very worse. Et il m'a demandé si je pouvais prier, si je pouvais demander aussi à ma camarade si on pouvait prier. And he requested me if I could pray for him. Du coup, moi j'étais déjà debout, mais ma camarade était dormait encore. Je voulais pas la déranger. Je me suis mise à prier toute seule, premièrement. So I got off of my bed and I started to pray. Après, quand j'ai vu ma camarade était enfin réveillée, je lui ai dit. And when my friend was also up, I told her. Et on a encore prié ensemble. And we also prayed along with my friends. Et puis quand on a fini de prier. So at the end of the prayer. On était juste assises, elle s'est rendormie, moi je n'arrivais plus à dormir. So, j'étais juste sur mon téléphone et tout ça. I was not able to sleep again, so I just took my phone. J'étais tellement inquiète. I was really touched or worrying about that case. Que j'ai écrit à ma meilleure amie qui vit à So I took the phone and wrote a message to one of my best friends who lives in our town, back home. Et puis je l'ai supplié, je dis, Rachel, s'il te plaît, tu peux prier pour mon cousin. And I also asked that friend to pray for my cousin. Parce que mon oncle vient de dire son état s'est aggravé. Because they've just called us and say his case has become worse. Puis j'étais juste sur mon téléphone. So I was just manipulating my phone. Et c'est vers 9h, je crois. It was around 9 a.m. Que mon oncle Junior m'a rappelé. When Junior called me back. Il était en larmes. He was crying. Et puis il m'a dit que. And he told me. Que Rudy était parti. That Rudy passed away. Et je savais pas quoi dire. I had nothing to say. C'est vrai que ma camarade s'est réveillée parce qu'elle avait entendu mon téléphone sonner. This is when my friend also got up from the bed because she heard my phone ringing. Et c'est là qu'elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait. Je savais pas quoi dire. She asked me what is going on. I had nothing to say. C'est là qu'elle m'a demandé. Rudy est mort. Is Rudy died? J'ai juste hoché la tête parce que je savais pas quoi répondre. I just shook my head because I had no words to say. Et je me rappelle, j'ai pleuré, j'ai vraiment beaucoup pleuré. I remember I cried a lot. Et après, je me rappelle quand j'ai commencé à me calmer. So when I tried to ease off, j'ai commencé à blâmer Dieu.
I started blaming God. Parce que je me suis dit, Seigneur, toutes ces prières qu'on a fait. Because I said, Lord, we've prayed a lot for him. Et tu savais, Rudy, c'était ton serviteur, c'était un homme qui servait, qui te servait beaucoup. And you know that Rudy was your servant, was serving you. Et tu l'as laissé partir. And you let him go. Et c'est là, je me rappelle, j'étais. En fait, je peux dire, je ne sais pas si ça va paraître un peu insolent, mais j'étais quand même un peu assez furieuse par rapport à Dieu. You know, I was angry against God. Et je me rappelle, j'ai écrit à un ami. I remember I wrote a message to a friend. J'ai dit à mon ami, on a passé tout ce temps, même avant que je vienne ici, j'étais dans ma ville, quand j'appelais Junior chaque jour pour savoir comment évolue l'état de Rudy et tout ça. Mon oncle Junior me disait aujourd'hui ça va, demain ça va pas. À chaque fois, je priais et priais. You know, all this time I've been praying since they called me about to inform me about the case of Rudy. I was praying. Et puis je me suis dit, il y a ses amis, il y a les membres de famille, Akin, toutes ces personnes qui ont passé leur temps à prier comme pas possible. Even his friends, his family back home, they spend time in prayer, praying for him. C'est que j'ai dit à mon ami, toutes ces prières n'ont servi à rien. And I tell my father, are all these prayers vain or are they useless? Parce qu'il est quand même parti. Because he has left us. Je me rappelle avoir dit à mon ami tellement que j'étais désespérée. So that was I said to my friend because I really lost hope. Oui, je disais, je sais pas qu'est-ce que je peux dire encore, à part le fait que Rudy c'était un bon garçon et puis c'était un cousin, un frère très protecteur. Let me tell you that Rudy was a good guy and was really a brother, was really like a protector for us. Au début, je me rappelle, je trouvais ça quand même un peu ennuyeux. You know, at the beginning, I was finding it annoying. Mais après, je me suis rendu compte que tout ce qu'il faisait, quand il me disait non, Carole, tu sais, si tu fais ceci, c'est pas bien. C'était juste pour mon bien. But over the time, I came to realize that every advice he was giving me was for my sake, actually for my good. Et ce que je peux rajouter est que je suis vraiment heureuse qu'il ait fait partie de ma famille. I'm happy to have him as a member of my family. C'était vraiment une bénédiction. Il était une bénédiction pour nous. He was a blessing for us. Même si il est parti beaucoup trop tôt. Even if he has gone earlier. Même si le Seigneur a décidé de le prendre beaucoup trop tôt. Even if the Lord has decided to take him so early. Je suis quand même contente qu'il ait fait partie de notre famille. So I'm glad that he was a member of our family. Et j'espère et je le souhaite de tout mon cœur. And I wish with all my heart que le Seigneur va lui ouvrir les portes du paradis. We open the gates of heaven for him. Qui repose en paix. And let him rest in peace. Et je l'aimais beaucoup. And I loved him a lot. Je vais inviter sur le stage l'un des responsables de la chorale. So we are going to call one of the leader of the choir. Le frère Hanson qui va également. Our brother Hanson. Par rapport à Rudy. Who's going to give a testimony about Rudy. So Mr. Hubert and Samuel's mother, if he's watching online, I just wanted to talk to you about something. Alors à son père et à sa mère que nous sommes en ligne, j'aimerais dire un mot. And I was just going through all the messages that Samuel has sent me. So we are just going through the WhatsApp messages. J'essaie de relire les messages WhatsApp que Samuel m'envoyait. You know, when we take people into the choir,
Vous savez, quand nous recrutons les gens dans la chorale, I mean, I think a lot of people in the church think we have very strict criteria. Et beaucoup de gens dans l'église pensent qu'il y a des critères stricts pour adhérer à la chorale. Actually, we don't. En réalité, il n'y a pas autant de rigueur stricte. We have some very simple criteria, but some very important criteria. Il y a juste des critères qui sont simples, mais autant importants. And so typically we talk to people two or three times and then we pray about it and then we choose. Alors typiquement parlant, nous parlons aux gens à plus de trois reprises, nous prions pour cela et nous les acceptons dans la chorale. With Samuel, it was different. Mais avec Samuel, c'était différent. I remember sitting in the sound room when he came for discussing with me. Je me rappelle, j'étais dans la salle du média, il est venu me parler. I think I spoke to him for maybe about 45 minutes. Je crois que je lui ai parlé pendant 45 minutes. And throughout the conversation, et tout au long de la conversation, in my heart I felt he's the right person. Dans mon cœur, j'ai senti que c'était une bonne personne. There was no doubt in my heart. Il n'y avait pas de doute dans mon cœur. I just knew he should be in the choir. Et je savais qu'il devait adhérer à la chorale. With a lot of people, I take my time. Mais avec d'autres personnes, je devais prendre mon temps. But with Samuel, I'm not saying that because I am at a memorial service for Samuel. That is the truth. Je ne le dis pas parce que nous sommes au recueillement, mais je le dis de toute vérité. I just knew he had to be in the choir. Je savais qu'il devait intégrer la chorale. There was something about his heart. Il y avait quelque chose par rapport à son cœur. That is very, very. That was different. Qui était vraiment différent. He was talking about how he was involved in the ministry when he was back in Congo. Il parlait de comment il servait déjà à l'église quand il était dans son pays. We talked about worship. Nous avons parlé de l'adoration. We talked about who God is. Nous avons parlé de qui est Dieu. And his principles were clear. Et ses principes étaient clairs. And I knew that the church would be blessed, the choir would be blessed if we had someone like Samuel. Et je savais qu'avoir quelqu'un comme ça dans la chorale devait être bénie, pareil aussi l'église. So I just want to tell you, Mr. Hubert and Samuel's mother, you raised a good boy. Et j'aimerais dire à son père et à sa mère, Alice, que vous avez éduqué un bon enfant. He's been a big blessing for us. Je crois qu'il est meilleur endroit avec Christ. You know, somebody said he is very quiet. I don't know. Someone said. Quelqu'un a dit qu'il est, c'est un garçon très calme. And yes, he's a very, very quiet boy. C'est vrai que c'est un garçon très calme. But that doesn't mean he has nothing inside. He has a lot of depth inside of him. Mais cela n'implique pas le calme dans au sein de lui. Il a une grandeur au dedans de lui. The second thing I wanted to talk about was his commitment. La deuxième chose que je me redis, c'est son engagement. So I was just going through these messages where, you know, he wrote to me in the start of this year, start of last year. Alors j'ai relu encore ce message, il m'a écrit au début de l'année passée. And he said he was fasting and praying for 3 days. Il m'a dit qu'il priait et jeûnait pendant 3 jours. He said, I really want to serve God in a deeper way. Il dit, j'aimerais servir Dieu d'une manière profonde. Not many people have had that such conversations. Tu sais, c'est pas autant de gens qui peuvent avoir ce genre de conversation. But his was different. He said, "I really want to serve God in a deeper." And his, and he said, "So therefore, I don't want to give something mediocre to God." C'était différent parce qu'il avait un désir profond de servir Dieu. Il a dit, "Je ne vais pas donner quelque chose de médiocre à Dieu." And so I want to go for keyboard classes. Il a dit, "J'aimerais faire des études, apprendre le clavier." No, when we took him in the choir, he was in the beginning stages of learning keyboard. He was not an expert. Et quand nous l'avons intégré dans la chorale, il était encore en train d'apprendre comment jouer au clavier. But we still took him because he was special. Mais nous l'avions quand même pris parce qu'il était quelqu'un de spécial. And then out of his own, he came and said, "I want to do something more in terms of learning my skills." Et il est venu encore nous voir pour dire que je veux encore faire quelque chose de plus par rapport à ce que je suis en train d'apprendre. And so he asked for permission to come late for practice on Saturday. He asked for permission to come late for practice on Saturday. Et il a demandé la permission de venir un peu en retard par rapport aux répétitions que nous avons les samedis. And I was just going through those conversations again, and I was just seeing the way he was approaching the whole thing was very different than from what I normally see. Alors quand je relis le message, je me rends compte que sa manière d'aborder les choses était un peu différente. And you know, therefore, at the end of it, when I look back, I just say, you know, what is it that God looks for? Alors par conséquent, je me pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu cherche exactement. You know, he doesn't look for too many things. He looks for just one thing. Il ne cherche pas beaucoup de choses, mais il cherche juste cette chose. But I will talk about that. It's just I will talk about that at the end. I mean,
Je parlerai de ça à la fin. I was just amazed at the way he wanted to serve God was not just ordinary. Mais j'étais émerveillé de la manière dont il voulait servir Dieu, ce n'était pas ordinaire. And then I think it was in June he wrote saying I have to go for an emergency back home. Il m'a dit que je crois au mois de juin, il m'a dit je devais aller en urgence chez moi au pays. And so we prayed and he went. Nous avons prié pour lui et il a voyagé. And so I asked when he landed, we asked him, hey, what happened? What is the emergency about? Alors quand il a atterri, nous lui avons demandé c'était quoi l'urgence. And he said it was nothing. It was just that my parents want my younger sister Eliana. So she said Eliana was not well and she wanted to see me and therefore my parents brought me back. Il m'a dit il n'y a rien de grave, c'était juste que ma sœur Eliana ne sentait pas bien, alors mes parents demandaient est-ce que je vienne voir sa sœur. And so he sent me pictures of him and Eliana. Alors ils ont envoyé sa photo de lui et de sa sœur Eliana. He sent me pictures with him and all his little brothers and sisters. Il m'a envoyé la photo de lui et de tous ses frères. He talked about all the wonderful time he's having with his family. Il m'a parlé de tous ces merveilleux moments qu'il a passé dans sa famille. Today when I look back, alors aujourd'hui quand je regarde en arrière, I feel that was God's plan. Je sens que c'était le plan de Dieu. I'm so glad that he came and met all of you before God called him home. Je suis content qu'il est venu rencontrer chacun d'entre nous avant que Dieu le rappelle. And it showed me how a loving brother he is. Et un frère aimable qu'il est. You know, in the midst of all of this, he's still connected to his family, and that is great to see that. Au milieu de tout ça, nous restons encore connectés à sa famille. C'est un grand plaisir de le voir. And I know we're running late, so I just want to end with one thing. Alors, j'aimerais finir avec une chose. What God looks from us. Ce que Dieu cherche de nous. Is not our talent. Ce ne sont pas nos talents. It's not how great you played the keyboard. Ce n'est pas combien tu peux jouer au clavier. How well you sing. Ou bien combien tu peux chanter. It doesn't matter. Tout cela importe peu. There's only one thing that God looks for. Il n'y a qu'une chose que Dieu cherche. Do you all know what that is? Est-ce que vous connaissez la chose? Does anyone want to say what that is? Est-ce que vous connaissez la chose dont Dieu cherche? His faith. It's our faithfulness. C'est notre fidélité. And that is why God does not say, "Well done, lovely singer." Voilà pourquoi Dieu ne dit pas bien fait, aimable chanteur. Well done, beautiful preacher. Ou bien fait, merveilleux prédicateur. Well done, great keyboard player or singer. Ou bien fait, grand clavieriste. The Bible says. Mais la Bible dit. That when on that final day. La Bible dit au dernier jour. All that God says. Tout ce que Dieu dira. Is well done, my good and faithful servant. Viens merveilleux et fidèle serviteur. Samuel has been faithful. Samuel a été fidèle. In everything he did in this church. Dans tout ce qu'il a fait à l'église. Especially when he used to play on that piano and that keyboard. Surtout there. Quand il s'asseyait sur son clavier et jouait. You know, yesterday one of our brothers sent a picture of just the two people playing the keyboard. Vous savez, hier, un frère a envoyé une photo de deux personnes qui jouent au clavier. And he said there should have been three of us. Il dit normalement il devait y avoir trois clavieristes. We're going to miss him. Il va vraiment nous manquer. In a big way. D'une bonne manière. But if I could say one thing. Mais si je devais dire une chose. Thank you to you and your wife. De merci aux parents de Samuel. For bringing up a wonderful son. D'éduquer un merveilleux enfant. And gifting him to our church. Et le donner comme un don à l'église. So that he could serve God. Pour qu'il serve Dieu. Before he went back home. Avant qu'il ne soit. May God bless you abundantly. Prie à Dieu. Amen. Amen. Rapidement invité ses amis. So I'm going to call his friends. Avec qui jouait toute l'équipe va s'approcher. I know the entire team will come les up. Les instrumentistes vont s'approcher. All the musicians will come. Ils vont également dire quelque chose un mot. They have a word for him. Les amis avec qui il jouait. So this is the musician he was playing with. Bonsoir. Vraiment, Reddy nous a vraiment beaucoup marqué dans le groupe. So he has really impacted us in this group. Je crois que c'était au mois de juin ou juillet quand il est rentré au pays. I think it was last year in the month of June when he went back home. Et quand il est revenu ici en Inde. And by the time he was back here. On avait répétition, je crois que c'était le jeudi. I think we had practice on a certain Thursday. Quand il était parti, on n'avait rien demandé. And when he was about to go back, we didn't ask him anything. Quand il est revenu, but when he came back, avant de commencer la répétition, before starting the rehearsal, il avait ouvert son sac. He just opened his bag. Et il avait donné à chacun
ce bracelet. And he gave to each and every one of us his bracelet. Avec le nom de chacun. With the name of each and every one of us mentioned. On était là, on le regardait. And we were just staring at him. On n'arrivait pas à croire. And we couldn't believe. Et c'était et moi je le porte partout où je vais jouer. And I wear it everywhere I go to play. C'est comme je prends ça comme je sais pas, à chaque fois quand je joue, quand je suis stressé et je bouge ça comme si ça, je sais pas. And every time I go to play, I just put it on my wrist and. Et c'est un gars qui était non seulement intelligent mais il était aussi malin. And not only he was smart, it was also clever. Quand on jouait, il avait une astuce à lui qu'il utilisait souvent. When we used to play, he had a trick. Quand on jouait, on n'entendait pas ce qu'il jouait. Most of the time, we couldn't hear what he was playing. Et on disait, arrêtons. Rudy, on t'entend pas là. And we just say, let's stop. We can't hear. Et il faisait ça. Il regardait soit le technicien pour dire, je sais pas, c'est mon clavier, je sais pas, c'est mon câble. Sometimes ou quoi. He will look at the person managing the sound, saying, is it my sound not going back? Et puis on disait, joue. And we will suddenly ask him play. Et puis alone. Quand il va jouer, on entendait. And when he will play, we will suddenly disait, be able to hear what he's playing. Mais pourquoi on t'entend pas quand on joue ensemble? Then again, we will reply to him, why can't we hear what you play when we play alone? Je m'approchais vers lui. And I would come near him. Et je disais, and I would say, Rudy, tu es sûr que c'est le câble? And I would say, are you sure that it's about the cable? Et me disait, and he will tell me, maestro, je connais pas la chanson. But he will tell me, he whispered to me that I don't donc, know the song. Il baissait le volume. He will just decrease the volume. Donc quand il joue, il baisse le volume parce que c'est while pas la playing, chanson. He will just turn down the et volume. Quand on va arrêter, il augmente le volume. And when we stop, it will increase. Et puis quand je joue, il fait ça. And he will just say, I can't hear my. Et moi, comme je savais, je le regardais. And since I already knew, et I just stared. Quand il me regardait aussi, il souriait quoi. And when he looked back at me, he would just smile. Et le 4 janvier. And on the 4th of January. Il y a tellement de choses. So many things happened. Mais le 4 janvier, c'était le matin. But on that day, it was in the morning. J'ai appelé papa. I called his father. Je lui ai demandé comment il allait. I asked him about his health. Il m'a dit que non, il a besoin de beaucoup de prières. And his father told me that he needed prayers. Alors, je dis, papa, est-ce que tu vas rentrer le soir parce que papa habitait pas loin de chez moi? So I asked his father if he was going to come back in the evening. Il m'a dit non, je pense pas que je vais rentrer. And he told me that he didn't think that he will be back. Et de suite, j'ai pris mon téléphone. Suddenly, I took my phone. J'ai appelé les amis. And I called my friends. On va aller voir le papa de Rudy, même si on va pas le voir Rudy lui-même, on va voir au moins le papa. So we decided to go in to the hospital if we can only see the father. Alors on s'est réunis, on a pris le cab. So we were on our way to there. En cours de route, so on the way, j'ai dit je vais appeler papa pour lui dire que nous sommes déjà en route. I picked up my phone to call his father to let him know that we were on the way. Et derrière moi j'étais devant avec le chauffeur. So I was sitting in front. Et j'ai parlé à papa, j'ai dit papa nous sommes déjà en route, nous sommes en train de venir. I told his father that we were on the way. Et il m'a appris la nouvelle. Then he told me. Et directement j'ai crié, j'ai lâché le téléphone. I dropped my phone. Et directement les amis qui étaient derrière, ils ont compris que people behind me c'était bizarre. Et chacun pleurait. On a demandé au chauffeur de canceller tout. We et told the driver to pull over. On a fait marche arrière, on est rentré à la maison. So we turned back. Et chacun était dans son coin en train de. So each one of us was alone in his corner crying about it. Bonsoir. Good evening. Mon nom c'est Yvon. My name is Yvon. En fait, j'aimerais parler au moins dans une minute. So I'm going to talk about it in 1 minute. Dire au moins ce que Dieu a fait pour moi, si pas pour vous, mais pour moi aussi. To talk about what God has done for me. No, God, Rudy. So what Rudy has done for me. Oui. En fait, Rudy, comme tout le monde, il était quelqu'un de bien. So like we all know, he was a good man. Il faisait toujours du bien. Moi, je ne savais pas qu'il faisait aussi du bien aux autres et autant qu'il faisait pour moi. I didn't know that he was acting the same way with other people that he used to me. Je suis surpris des témoignages de beaucoup de gens qui sont passés. So I'm surprised when I hear all of you talking about him. Et il faisait autant du bien aux autres qu'à moi aussi. So he was as good as to other people as to me. Alors je me demandais s'il avait aussi 24 heures comme nous autres. So I was asking myself if he was only 24 like all of us. Comment est-ce qu'il prenait le temps de s'occuper des autres personnes, de lui-même et de moi aussi? How can he have the time to take care of other people, of me and of him, alone? Je n'ai jamais demandé à Rudy quelque chose et qui je n'ai jamais demandé quelque chose à Rudy et qu'il puisse ne pas le faire. He has never denied a request from me.
On avait beaucoup de projets ensemble, si pas pour dire particulier. So we had a lot of projects together. Je me rappelle la dernière fois que je me suis vu avec lui. I remember the last time I saw him. C'était à la veille avant qu'il puisse aller à l'hôpital pour s'opérer. It was one day before the surgery. Alors il m'a dit, maestro, tu vas aller à la maison, tu vas prendre les claviers parce que mon clavier était chez lui. So he told me, you go to my place and pick up the keyboard. Il m'a dit, prends les claviers, j'ai déjà donné la recommandation à Hervé. So he told me to go to his house and pick up my keyboard. Et il m'a dit quelque chose, c'est ce qui me fait pleurer tous les temps. Then he told me something that really makes me cry. Il m'a dit, maestro, au mois de janvier, on va se voir, on va commencer à travailler. Then he told me, from January, we will just come together and start practicing together. Ce qui me fait mal est que nous sommes au mois de janvier, mais il n'est plus là. And what saddens my heart is that we are in the month of January, but he's no more. Ça fait très mal, mais. So it saddens my heart. Je ne sais quoi dire, c'est Dieu qui décide. And I don't know what to say, it's God who calls. Je me rappelle une dernière fois. I remember the last time. Il m'a fait passer. En fait, c'était pour les choses du boulot. It was about a job one day. Alors comme nous savons que nous sommes étudiants à Bangalore. So we all know that we are students in Bangalore. Nous ne pouvons pas travailler. So we can't work. Alors lui, il avait trouvé pour moi et pour lui-même. So he managed to get a job for me and for himself. Et aussi un autre ami qui s'appelle Alex. And one of our friends called Alex. Alors nous sommes allés faire l'interview. So we went for the interview. Nous étions retenus qu'à trois. So we were three. Alors on attendait à ce que les gens puissent nous appeler. We were waiting for them to call us. Et ils n'ont jamais, appelés. They have never called us in time. À chaque fois qu'on se voit avec Rudy. Every time I was with Rudy. C'était comme une blague qu'on faisait chaque fois. It was like we were cracking joke over it. Ils n'ont jamais appelé. They've never called us. Non, on a jamais. J'ai même effacé son numéro. So he would tell me that I even erased, deleted his number. C'était l'aventure de chaque fois. So it was our way of making fun out of it. Partout on s'est retrouvés. Everywhere we were. We à l'église. At church. Au collège, on était avec le même collège. College. On faisait cette même blague. So we used to crack that joke. Mais maintenant, il n'est plus. But it's no more. Ça fait très mal et que son âme repose en paix. And it hurts a lot. May he rest in peace. Merci beaucoup. Salut à tous. Moi, c'est Emmanuel. My name is Emmanuel. Bon, particulièrement, moi, j'ai connu Rudy dans un magasin de musique. I knew Rudy in a music store. Bon, la première fois que je l'ai vu, il cherchait quelque chose. Donc, je me suis approché. The first time I saw him, he was actually looking for something. Then I went to meet him. Je lui ai demandé d'abord je lui ai demandé en anglais est-ce qu'il parlait le français. I asked him in English if he knew how to speak French. Il m'a dit oui qu'il comprenait le français et tout. Then donc he told me that I understand French, of course. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans le shop et tout. Il m'a expliqué qu'il jouait à la guitare et au piano. Then I asked him what he was doing in that music store. He told me that he was playing the piano and the keyboard. Je crois que c'était la première fois qu'on se voyait, mais déjà, on avait déjà commencé à parler. So it was the first time that we met each other, but we started talking. Et je crois deux jours, trois jours après, on a commencé à travailler ensemble. Then two, three days after that, we started having rehearsals together. Il venait chez moi, on travaillait la guitare et tout. He used to come in my place and working on the guitar skills. Et toujours c'était comme ça. So that's how we used to be. Je me rappelle aussi, il m'appelait beaucoup. I remember that he used to call me a lot. Et à la fin de chaque conversation, il avait une phrase qui me disait. And at the end of every talking, he used to tell me something. Je comprenais pas au début parce que je comprenais pas ce qu'il me disait. Je comprenais pas. I didn't understand the beginning because I couldn't get it really. Il me disait, maestro, des bonnes choses. So he used to tell me good things. Bon, je comprenais pas en fait. So I didn't understand. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il me souhaitait en fait une bonne soirée, peut-être une bonne journée. Until the day that I realized that he was actually wishing me to have a good evening or a good day. Et chaque jour, je me rappelle encore de cette phrase, des bonnes choses, and des bonnes every choses. Every day I remember his this statement. Je crois que c'est la volonté de Dieu si aujourd'hui il n'est plus parmi nous. I think it's the will of God is if he's no longer in the midst of us. Parce que je crois que si c'était par mérite que chacun devait rester, il serait le seul ici parmi nous. Because I think if it was by worth that we have to be alive, I think it would be the only one standing here. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. So that's all I have to say. Et comme son papa nous l'avait dit, c'est nous les hommes, on ne peut que souhaiter.
Like his dad told us that as man we can only wish. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. But it is God who has the final word. Ou encore son âme repose en paix. May his soul rest in peace. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Junias. My name is Junias. Bon, je vais être un peu bref. Pour moi, la première fois lorsque j'ai rencontré Rudy, c'était ici même. The first time I saw him, it was here in church. La première chose qui m'a marqué, c'est la curiosité de Rudy. And the first thing that came in my mind was the way he was curious. Yeah. Je me rappelle, j'étais en train de jouer et après il s'est approché, il m'a dit, maître, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu faisais là. I was playing and he reached out to me, he asked me, what are you playing exactly? Je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il vient d'arriver. And I told myself, he just came. Et il pose déjà des questions. And he's already asking questions. Et personnellement, moi, à ce moment, je n'aimais pas trop les questions. And at that time, I didn't like being questioned. Alors, j'ai donné juste une réponse comme ça, de façon banale. And I just gave him an answer. Et la joie avec laquelle il a reçu la réponse banale and, que j'ai donnée. And I could see the joy that he had while I responded to him. M'a déjà frappé et je me suis dit mais attends ce gars là qu'est-ce qui ne va pas? And it captured my mind and I told myself what's going on with this man? Et au fur et à mesure lorsqu'on a passé plus de temps ensemble, j'ai enfin réalisé que Rudy c'était quelqu'un qui était passionné lorsqu'il faisait quelque chose. And after time I realized that he had that passion in everything that he used to do. Quand je parle de passion, je ne parle pas seulement de la musique. When I'm talking about passion, I'm not even talking about music only. Je parle même en dehors ici de l'église, en dehors du service qu'il fait ici à l'église. But I'm also talking about what happened outside the church. Il était vraiment passionné au sujet de beaucoup de choses. He was really passionate about everything. Et ça, c'était au sujet de Rudy. C'était quelqu'un de bien. Et je me souviens encore lorsqu'il m'appelait en semaine. And I remember when he used to call me in the week. C'est aujourd'hui que j'ai réalisé au fait que Rudy appelait beaucoup d'entre nous. And it's only today that I realized that he used to call most of us. Et lorsqu'il appelait, c'était pour planifier des répétitions, à part les répétitions qu'on avait en semaine. And when he calls us, it was most of the time to have more rehearsals apart from what we used to have every Saturday. Alors on le faisait et on apprenait de chacun. And we used to do that and we learned from each other. Et je me rappelle encore la dernière fois que je l'ai vu, c'était ce dimanche-là où il nous a annoncé qu'il aura une opération. And the last time I saw him, it was on that Sunday when he told us that he had to go through the surgery. Il nous a dit, OK, les gars, c'est juste un petit truc. So he told us that it's just a small thing. Yeah, je vais à l'hôpital, on se retrouve. I'm going to the hospital, but we'll meet again. Juste pour dire que c'était quelqu'un qui, à force de se préoccuper des autres. So just to say that he cared so much about people. Il nous a même enlevé l'envie de s'inquiéter. That he even took away from us that luxury of caring about it. Le sourire avec lequel nous a dit, OK, les gars, c'est juste une opération. And he was even smiling when he told us it's just a small surgery. Ça fait qu'on priait, mais on ne s'inquiétait pas. So we were praying, but we didn't worry about it. Rudy était quelqu'un de bien. So he was a good man. Il était quelqu'un vraiment de bien. Et ça m'a vraiment fait mal d'apprendre son décès. And I'm really sad to hear that he passed away. Mais après tout ce que j'ai entendu ce soir des différents témoignages, evening, je pense qu'il a accompli sa part avant de s'en aller. I think that he has done his part before going. Et depuis hier, lorsque je suis rentré à l'église, since yesterday, j'ai l'habitude d'avoir quelqu'un à côté de moi. After church, I used to have someone beside me. Pas après l'église, pendant les répétitions et pendant le culte. During our rehearsal, I used to have someone just beside me. Et je me suis retrouvé plus de 5 fois en train de regarder à côté de moi. And more than 5 times, I was looking around me. Et mais il n'y avait personne. But there was nobody around me. Et ça fait vraiment mal. And it really hurts. Mais je pense que là où il est, c'est une meilleure place. And I think that he is in a better place right now. Que son âme repose en paix. May he rest in peace. So we'll call his father. Karel, qui va nous dire quelque chose, quelques paroles. So he's going to share something. Peuple de Dieu, bonjour. Good evening. Je suis très content de vous voir. And I'm really happy to see you. Et je suis très réconforté. And I'm really soothed in my heart.
Je me suis dit, I told myself, ce n'est plus le moment de pleurer. This is no longer the time to cry. Mais c'est le moment de glorifier le Seigneur. But it's a time to bring to give glory to God. Quand j'entends tout ce que j'entends ici, when I hear everything that you say, ça va au-delà de ce que je pensais. It goes beyond what I thought. Certes, Rudy, Samuel, it's true, Rudy Samuel, affectueusement appelé par ses frères, Yarudi, and his younger siblings used to call him Yarudi, et que j'appelais très souvent Sam, and I used to call him Sam. C'est un don de Dieu. Is a gift from God. Que Dieu nous a donné. That God has given us. Nous a confié. That He has entrusted us with. Et je suis fier. And I'm proud. Et content. Happy. D'avoir eu un enfant comme celui-là. To know that I had a child like him. Sam a connu Dieu depuis longtemps. Sam knew God since his childhood. La culture de la prière, c'est le partage de la famille. That prayer culture, we have it in our family. Chaque jour, every day, pendant qu'il était vivant et en Inde, while he was still alive and in India, avant qu'il ne dorme, before going to sleep, il appelait. He used to call. On faisait une conférence call. And we would have a conference call. Et nous prions avec toute la famille. And we pray with all the family. Je ne vais pas vous dire que Sam n'a pas souffert. I'm not going to tell you that Sam didn't go through pain. Il a souffert. He has suffered. Mais il nous a épargné de cette souffrance. But he spared us from that suffering. Chaque fois que je l'appelais, every time I called him, il me disait, ça va aller, papa. He would just tell me, I'm okay, daddy. Tu nous as dit, sois positif. You told us, be positive. Et je serai positif. And I will always be. Il a été positif durant tout son parcours. He has been positive throughout his journey, even on that bed in the hospital. La famille a souffert. Our family has suffered a lot. Nous avons prié. We have prayed. C'était difficile. It was tough. Mais nous sommes convaincus que but we were sure that Dieu nous avait entendu. God heard our prayers. Puisque je reste convaincu, because I stay convinced que tout ce que Dieu fait that everything that God does est juste et bon. Is right and good. Est juste et bon. Is right and good. Certes, j'ai pas fini ma mission. It's true that I'm not done with my journey. Puisqu'il est parti. Because he's gone. J'ai entendu certains dire qu'il est parti trop tôt. I heard some people saying that he went too early. C'était notre souhait de le voir le plus longtemps possible. It was our wish to see him last longer than this. Mais, but la mission de Dieu a été accomplie. The mission of God was fulfilled. Et cette mission, and this mission fait que Sam n'est plus là. Leads us to the conclusion that he's no more. Mais Sam, durant sa vie, but during his lifetime, même en ce dernier moment, even in his last days, comme a eu à dire Junior, just like Junior said, il est resté positif. He stayed positive. Même sous le lit d'hôpital, even in that bed in the hospital, quand je lui parlais, when il I used to talk to him, he would just stare at me. Certes. Truly, il ne pouvait pas parler. He couldn't even talk. Puisqu'il avait toutes les assistances dans la bouche. Because he had all his stuff in his mouth. Il bougeait la tête. He would just move his head. Il faisait ça. And comme pour dire, je suis là, tiens bon. It was a sign of telling me, I'm here, hold on. Il a voulu que je vienne. He wanted me to come. Il a insisté. He made sure of that. Papa, il faut que tu sois là. And he told me that you need to be here. C'était difficile pour moi de venir. It was difficult for me to reach here. Puisque dans mon entreprise, because in my company, on pouvait pas accorder autant de temps. They couldn't give me so much time. Mais je me suis dit, but I told myself, entre mon fils, compared between my son et mon entreprise, and my work, mon travail, my work, je choisis mon fils. I would choose my son. Il a besoin que je sois là pour he que wants je me to be there. Et mes amis, and my friends, Sam est certes parti. Sam is truly gone. Nous devons nous poser beaucoup de questions sur notre relation avec le Seigneur. We need to ask ourselves so many questions about our relationship with the Lord. Et essayer de comprendre and try to understand qu'est-ce qu'il nous a légué comme message. What he has left back to us as a message.
Mon fils, my son, Sam, qui est parti, we just left. Il nous a légué beaucoup d'héritage. He left us so many legacies. Si nous suivons, nous avons entendu tout ce que les autres ont dit. If we truly heard what everybody said here. Certes, tout le monde a eu à retenir quelque chose de Samuel. It's true that each one of us we have taken something apart from his life. Beaucoup d'héritage. A lot of legacies. L'amour. Love. Le pardon. Forgiveness. Et la disponibilité. And availability. Il aimait son Seigneur. He truly loved his Lord. Il a aimé Dieu, je vous le dis. He loved God, and I'll truly tell you. C'est une joie pour moi. And it's a joy for me. Ça me fait certainement mal de le voir partir. It really hurts my heart to see him gone. De savoir qu'il est parti. Knowing that he's gone. Puisque je n'aurai plus un SMS. Because I will never get a text from him. Comme j'en avais très souvent. Like I used to get a lot. Le matin. In the morning. Puisqu'avec le décalage horaire, vous êtes en avance. So, because we are beyond time here. Ma femme et moi. My wife and I. Nous recevons toujours un message de Samuel. We used to receive messages from him. Je vous aime. That I love you. Et bonne journée. Have a good day. Je ne réalisais pas que, et je ne réalise pas encore qu'il est parti. I didn't realize and I still not realize that he's gone. Mais quand je n'entends plus mon téléphone résonner chaque matin. But just when I realized that my phone is no longer ringing in the morning. J'ai compris réellement qu'il est parti. I realized that he's gone. Il est parti pour toujours. He's gone forever. Mais ce message d'amour. But this message of love. De pardon. Of forgiveness. Je ne sais pas. Chacun a eu à retenir quelque chose, mais retenons ce message que chacun pourrait tirer de son passage. We have all taken something from his lifetime here on earth, and I urge you to stay on that. Je sais ça sera difficile pour moi. I know that it's going to be tough for me. Ça sera difficile pour la famille. It's going to be difficult for the family. Mais du haut de cet endroit, cette tribune, from this pulpit, je vous dis à vous. I tell all of you. J'ai dit à la famille qui nous suit en ce moment-ci. To the family that is watching right now. Que Dieu est juste et bon. That God is righteous and good. Certes, nous ne comprenons pas. It's true that we don't understand. Certes, nous ne comprenons pas. Truly, we don't understand. Et nous avons refusé de poser la question à Dieu. And we didn't want to ask the question to God. Puisqu'il nous répondra jamais. Because he will never give an answer on that. Il est souverain, il a pris sa décision. He is sovereign and he has made his call. Mais, but, certainement, certainly, Dieu nous révélera les choses pour lesquelles il a rappelé. God will reveal to us the reason why he took him back. Je ne veux pas être long. I won't take much time. Puisque c'est dur. Because it's really difficult. Non seulement pour moi. Not only for me. Certes, pour ceux qui sont au pays. Yes, indeed, for those who are back home. Et qui attendent qu'on puisse rentrer. Waiting for me to return. Rentrer avec mon fils. Coming back with my son. Dans la soute, dans la caisse. In a coffin. Et je m'imagine ce que sera à l'arrivée. And I'm trying to picture that in my mind, what it's going to be like in my arrival. And I'm asking myself. Je vous demande. And I ask all of you. Je vous en prie. I urge you. Mettez-nous en prière. Keep us in prayer. Je vous en prie, mettez-nous en prière. Please keep us in prayer. C'est difficile pour la famille. It's very difficult for the family. Jamais. Never. Jamais. Never. Jamais. Never. Samuel sera remplacé. Samuel will be replaced. C'est un grand trou. It's a big gap. Samuel. Au-delà du fils. Beyond the son that he was. Il était devenu un ami. He became a friend to me. Un collaborateur. A co-worker. Il ne m'arrivait pas de faire quelque chose sans que je ne partage et j'y discute avec mon fils. I could not do anything without sharing it with my son. C'est un honneur pour moi. And it's an honor for me. C'est un honneur pour la famille. It's an honor for the family. C'est un honneur pour l'église. And to the whole church. Et retenons quelque chose. And let's keep something. De son passage ici sur terre. From his lifetime. L'église. The church.
Oh non, de ma femme. On behalf of my wife. De mes enfants. Of my children. Donnel. Adriel. Donnel, Adriel. Eliana. Eliana. Bernice. Bernice. Et ma femme Sandra. And my wife Sandra. Nous vous disons merci. We say thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Thank you very much. Merci. Thank you very much. Puisque because je me suis pas senti étranger. I didn't feel like a stranger. Je me rappelle le 23. I remember on 23rd. Le pasteur. Pastor. Le coach. And the leader of the worship team. De la chorale. The worship team. Ils sont venus. They came. J'ai senti cette chaleur. And I felt that warm love. À ses amis, to his friends, qui sont restés avec nous, who stayed with us, à l'endroit qu'ils connaissent, in that place, qu'on a appelé l'hôtel, that we call the hotel, à l'hôpital, in the hospital, nous dormons dans des conditions qui, on peut, imaginez-vous à l'hôpital, dans les conditions qui peuvent être, we were sleeping in some critical conditions. À aucun moment, ils n'ont baissé les bras. They've never given up. Nous avons passé des temps de prière. We spent times of prayers. À telle enceinte que nous commencions à déranger. To extend that we started making certaines noise personnes. And disturbing some people pendant around. Deux heures, trois heures de hours, prière. Three hours in prayer. Dieu nous a dit. And God told us. Glorifiez-moi. Glorify me. C'est ainsi que je dirai. And I will say it this way. Glorifions le Seigneur. Let's glorify the Lord. Glorifions le Seigneur. Let's glorify the Lord. Puisque Samuel est parti. Because Samuel is gone. Et qu'on se prépare aussi. And we're getting ready. Pour notre part. Let's get ready for our turn. Pasteur. Pastors. Au nom de ma famille. On behalf of my family. Nous avons une action de grâce acceptée là. We have a thanksgiving and we request you to accept it. Si le pasteur peut for the venir. Church. I don't know if the pastor can come and receive it. Sœur, Samuel est parti. Samuel is gone. Mais vous êtes les serviteurs de Dieu, les représentants de Dieu dans cette église. You are the servants of God in this church. Samuel a servi dans cette église. He has served in this church. Accepté pour l'église, pour Dieu, cette action de grâce. May you receive this thanksgiving. Puisque nous disons merci à Dieu. Because we thank the Lord. Puisque Samuel est parti. Et on so le verra Samuel plus is jamais. Gone and we'll see him no more. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. J'aimerais inviter également le président de la communauté qui va dire quelques paroles, quelques mots. And I'm going to call the president of the Congolese community in Bangalore to share some words. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. And we give thanks to the Lord. Une opportunité pour nous d'imprégner le système d'honneur au leadership pastoral de cette église. And it's an honor for us. It's a time for us to thank the leadership of this church. Ainsi qu'à tous les responsables de Zion Church. Also to all the leaders in Zion Church. Afin de pouvoir vous communiquer notre pensée communautaire en cette circonstance de tristesse. And we want to share our warm thoughts to this sad moment. C'était dans le couplage du 4
vers 10 heures que nous avons reçu l'information. It was on the first, around 10 in the morning that we received this news. Nous étions en pleine préparation de programme du calendrier électoral. We were running our agenda in the community. Nous nous sommes donné la possibilité de pouvoir annuler tout le programme afin d'honorer cet homme que nous avons connu d'une manière personnelle. And we suddenly stopped everything that we were up to come and honor this man that we personally knew. Et au même moment, il y a eu un embouteillage des émotions. And at the same time, there were a lot of emotions. À la famille, nous avons présenté nos sincères condoléances. So to the family, we presented our condolences. Et à Dieu, nous l'avons rendu gloire pour ce qu'il est arrivé. We have given all the glory for what happened. Étant donné que nous ne pouvons pas faire de procès avec Dieu, since we cannot argue with God, nous avons rendu grâce à Dieu pour la qualité du travail qu'il a fait pour lui. We have thanked the Lord for the quality of the work that he has performed in him. Pour ce que Dieu a fait avec M. Samuel. For what the Lord has done through him. Pour ce que Dieu a fait par lui et au travers de lui. For what God has done through him and with him. Mais bien au-delà, pour ce que Dieu a fait au-dedans de lui. But beyond that, we thank the Lord for what he, for everything that he has done in him. Qui a laissé un message de qualité tout autour de lui. That he has left back a quality message to each and every one of us. Un homme avec une particularité de simplicité. And a man with a meekness in his heart. Et cela nous a poussé à réfléchir également par rapport à notre marche terrestre. And it led us to think about the way that we carry ourselves during our journey here on earth. Le plus grand livre de tous les temps qui est la Bible. The greatest book of all the time that is the Bible. Dit et spécifie dans Hébreux 5, 7. Says in Hebrews 5, verse 7. Qu'il y a deux dimensions de jours sur la terre. There is two dimensions of days here on earth. La dimension de la vie sous la chair. The dimension of life in the flesh. Et la dimension de la vie en dehors de la chair. And dimension of life apart or beyond our flesh. Mais il se fait que ce que nous recevons dans l'au-delà, après notre vie terrestre, est fonction de tout ce que nous faisons et de la manière dont nous maximisons notre vie sur la terre. It happens that whatever we receive after our lifetime depends on how we've been living our life here on earth. Mais dans toutes les disparitions dans la vie, and in every dismissal in life, l'essentiel est que la personne disparue puisse rencontrer et connaître d'une manière profonde la personne de Jésus. The most important thing is that the person who just passed away had the opportunity to know the Lord in his lifetime. Nous avons eu l'intention de prier. We decided to pray about it. Nous avons prié. And we did so. Et nous avons rendu grâce à Dieu pour tout. We gave all the glory to God. Mais en rendant grâce à Dieu, but thanking God. Nous avons voulu God, épingler en sa personne les qualités que nous devons cultiver en tant que communauté. We wanted to put aside or to bring out the best qualities out of his life that we want to portray in the midst of us. Par lui, j'ai compris qu'il nous faut atteindre une dimension là où nous devons prier par compilation. That we understood that we just reached a dimension where we need to pray like a group, like a congregation. Là où nous ne prions pas seulement en termes de paroles, mais notre vie en termes d'exemplarité lance un message tout autour de nous. Why we're not just praying with words, but our life is picturing an example to the person who is staring at us. La qualité de sa vie est plus que le fleur que nous pouvons donner. The quality of his life is more beyond the flowers that we can throw down. La qualité de sa vie est plus que les honneurs et les hommages rassemblés au même moment. And the quality of his life is beyond all the honor that we can give to him. Mais à Dieu, nous voulons que son âme puisse être enveloppée par la connaissance du Christ qui surpasse toute connaissance. But in God we want his soul to be wrapped in the knowledge of Christ. Et que le Saint-Esprit puisse nous consoler de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. And the Spirit of God will soothe us from within out. Mais étant donné que Papa venait de citer quelque chose de très important, que cette mort doit nous interpeller. Since his dad just said something that his death needs to capture our mind. D'où la mort en question devient comme une porte vitrée. And his death is becoming like a wall. Et la personne qui est en face de cette porte and the person standing in front of this world, a normalement deux possibilités. Will have two possibilities. La première, c'est d'ouvrir la porte et d'entrer à l'intérieur. Either to open the door and to go inside. En entrant, nous allons appeler cette personne morte. While going inside, we call that person a dead man. Mais une autre possibilité, but there is another possibility. C'est de rester en dehors de cette porte en vue de voir la qualité de la vie que nous menons.
is to stay away from that door and gaze upon the quality of the life that we're living. De manière à les mettre dans le standard de Jésus-Christ tel que Dieu le veut. In a way that we bring it up to the standard of the life of Jesus Christ here on earth. Nous croyons que tous les mots ne suffiront jamais pour décrire la qualité de la personne. We believe that words will never be enough to describe the quality of his life. Que Dieu bénisse ce moment. May God bless this moment. Et que son âme puisse être gardée au-delà de son corps. And his soul will be kept beyond his body. Avec l'espoir que sa vie doit devenir nos exemples. With the hope that his life will become like a role model to each and every one of us. Que ce modèle puisse être appliqué au moins chaque jour. And it will be put into practice every day. À la famille, je dis un grand merci pour la qualité de l'éducation que nous avons vue. I thank his family for the quality of the education that he has just received. Et nous disons et nous vous avons remercié. And we thank everybody. Je vais rapidement inviter le pasteur Sean. I will call Pastor Sean. Il va nous donner une parole d'exhortation. And he will give us a word. Alors je lui demanderai d'être attentif. I will ask you to pay attention to that. Arrive. Before we go into the word this evening, avant de passer la parole aujourd'hui, can I request the worship team to come to the stage one more time? Est-ce que je peux demander aux chanteurs de venir sur le stage? I feel in my heart that we need to sing a song of worship before we go into the word. Je sens dans mon cœur que nous devons chanter un chant d'adoration avant de passer à la parole. And I encourage each one of you to join us. Et j'encourage chacun d'entre vous de se joindre à nous. Join us as we sing this song. Everything, everything,
promise keep light in the darkness. That is who you are. A beautiful voice on the sea. Rainmaker, miracle work. You are. Promise keep light in the darkness. Promise keeper, light in the darkness. That is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus. You wipe away. Tu es celui qui répare les cœurs brisés ce soir. Wiping every tear. Tu effaces toutes les larmes. Our strength, our comfort. Tu es notre force et notre confort. That is who you are. C'est celui que tu es. Thank you that you are here. Merci parce que tu es là. For without you, we will not be able to go through this alone. Parce que sans toi, nous ne pourrons pas nous en sortir dans ce cas seul. Thank you for your presence here. Merci pour ta présence en ce lieu. May you be glorified. Que tu sois glorifié. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's be seated. Amen. Nous pourrons nous rasseoir. Today we are gathered here to honor the memory of Rudy Samuel. Aujourd'hui nous sommes venus honorer la mémoire de notre frère Samuel. And to me personally, it's a very difficult moment. Et personnellement, c'est un moment difficile. Because Samuel was not just a member of the worship team. Parce que Samuel n'était pas seulement un membre de la chorale. Or not just another person in church. Ou juste un fidèle de l'église seulement. Samuel was my spiritual son. Samuel était mon fils spirituel.
And as pastors in this church, et étant pasteur de l'église, we feel the same pain and loss that you do. Nous ressentons la même perte et la même douleur que vous. And sometimes it's so difficult for words. Et c'est vrai, c'est difficile. To be able to say the right things to comfort people. Avec les mots d'exprimer le chose. But I believe it's the Holy Spirit who is our comfort. Mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous réconforte. When I was listening to the testimonies that y'all spoke about his life. Alors que j'écoutais les témoignages que les gens ont eu à donner sur sa vie. God reminded me about one thing. Ça m'a rappelé d'une chose. We are not here to mourn his death. Nous ne sommes pas ici pour pleurer sur sa mort. We are here to celebrate his life. Mais nous sommes venus célébrer sa vie. We are here this evening to celebrate his life. Nous sommes là ce soir pour célébrer sa vie. Hallelujah. Amen. Samuel has run his race. Samuel a fait sa course. He has completed his course. Il a complété sa course. And now a crown of righteousness awaits him. Et maintenant la couronne de justice est sur sa tête. And each of you have testified in your own way. Et chacun d'entre nous a donné son témoignage de sa manière. Of the person who he was. De la personne qu'il était. His heart for people. Son cœur pour les gens. That irrespective of what he was going through. Ce n'était pas en compte de ce qu'il traversait. Others came first in his life. Mais les autres passaient toujours en avant dans sa vie. An attribute that we see in the life of Jesus. Et ce sont les attributs que nous avons vus dans la vie de Jésus. That regardless of what people did to him. Que malgré ce que les gens ont eu à faire. His love for people never changed. Son amour pour les gens n'avait jamais changé. And that's what I hear and I see this evening. Et c'est ce que j'ai entendu et vu ce soir. The way he has impacted your lives. La manière dont il a impacté vos vies. The very reason that each one of you here this evening. La même raison pour laquelle chacun d'entre nous est là ce soir. It's because Samuel has touched you in your own individual way. C'est parce que Samuel a eu à vous impacter de manière individuelle. Yes, in the natural, we have lost a son. C'est vrai que naturellement, nous avons perdu un enfant. We have lost a brother. Nous avons perdu un fils et un frère. We have lost a friend. Nous avons perdu un ami. We have lost somebody close to us. Nous avons perdu quelqu'un qui était proche de nous. But today we can rejoice. Mais aujourd'hui nous pourrons nous réjouir. That we know where he is. Que nous savons là où il est. We don't have to assume or guess. Nous n'avons pas à assumer. But we know for a fact. Mais nous connaissons pour un fait. That Samuel is rejoicing Samuel in the arms of Jesus. Se réjouit avec Jésus. He is rejoicing in the arms of Jesus. Il se réjouit dans les bras de Jésus. He is worshiping with the angels. Il adore avec les anges. He is worshiping with the saints that have gone before. Il adore avec les saints qui nous ont précédés. Probably part of the musicians in heaven. Probablement il fait aussi part de la chorale du ciel. Singing Hosanna in the highest. Il chante aussi Hosanna dans les lieux élevés. Singing Holy, Holy, Holy are you God. Il chante aussi Saint, tu es Dieu. If I know Samuel. Si je connais Samuel. This evening he is saying. Ce soir il dit. Father, comfort them. Père, réconforte-les. Let them know. Laisse qu'ils sachent. That I love them. Que je les aime. And that I have done whatever you have placed in my life. Et je fais ce que tu as placé dans ma vie. The purpose behind why you created me. Le but derrière ma création. Let them know. Laisse qu'ils sachent. That I have fulfilled it. Que je l'ai accompli. Hallelujah. Amen. 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 He has been a strength and encouragement to each one of us individually. Il a été une force et un encouragement pour chacun d'entre nous d'une manière individuelle. And I know. Et je sais. I do not assume or guess, but I know. Je ne suis pas en train seulement de faire des assumptions, mais je le sais. That Samuel. Que Samuel. Is. Est. In the arms of God. Dans les bras de Dieu. He is. Il est. In the arms of God. Dans les bras de Dieu. Because this was the hope in his life. Parce que c'était ça l'espoir de sa vie. He did not know Jesus just as a religion. Il n'a pas connu Jésus comme juste une religion. He did not know Jesus just as another God. Il n'a pas connu Jésus juste comme un autre Dieu. But he knew Jesus as his personal Lord and Savior. Mais il a connu Dieu comme étant son Seigneur et son Sauveur. Jesus was intimate in his life. Jésus était intime dans sa vie. And you could see it in the actions. Et pour aussi le voir dans les actions. You could see it in his reactions. Pour le voir dans les réactions. You could see it in his lifestyle. Pour le voir dans son style de vie. And I hope that he has left a legacy before you. Je crois qu'il a laissé un héritage devant an toi. An example that will inspire you. Un exemple qui va t'inspirer. To be more. D'être, de donner plus de toi. To do more. De faire plus. For God. Pour Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
The Bible says, la Bible dit, in 1 Thessalonians, dans 1 Thessaloniciens, 4 verses 13, 4 verset 13, Paul is addressing the church. Paul parlant à l'église. And this is what he says. Écoutez ce qu'il dit. We do not want you to be uninformed believers. Il dit, nous voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. About those who are asleep in death. Au sujet de ceux qui dorment. So that you will not grieve for them. Enfin que vous ne vous affligez pas comme les autres. As the way others do who have no hope. Comme les autres qui n'ont point d'espérance. No hope beyond this life. Qui n'ont point d'espérance de la vie. If I was to ask you this question today. Si je devais te poser cette question aujourd'hui. If God called you today. Si Dieu t'appelle aujourd'hui. Where will you spend eternity? Où passera ton éternité? What would your answer be? Quelle sera ta réponse? Do you have the definite assurance that if God calls you home tonight, that you will be in heaven with Him? As-tu cette assurance pour dire que si Dieu t'appelle ce soir, tu seras avec lui? Or is it still a maybe? Ou c'est encore dans les peut-être? Is it still I don't know for sure? Encore dans, je ne suis pas encore sûr. Because if you don't know for sure, parce que tu ne le sais pas, then let me tell you something. Laissez-moi vous dire une chose. Do not leave this church this evening. Ne quitte pas ce soir cette église. Without being sure where you're going to spend eternity. Sans être sûr d'où tu vas passer ton éternité après. Because nobody knows the length of their days. Parce que personne ne peut maîtriser le jour. Only God knows when. Il n'y a que Dieu qui sait quand tu partiras. So the life that He has given you here on this earth. Alors la vie qu'il te donne sur terre. Live it well for God. Vis cela comme il faut pour Dieu. Live it well for God. Vis cela comme il faut pour Dieu. Do not spend it in trivialist things. Ne passe pas dans des choses sans valeur. Do not spend it just about enjoying life as we think we should. Ne passe pas à juste réjouir de la vie comme nous pensons le faire. It is a fleeting moment compared to eternity. C'est un moment qui est en court terme comparativement à l'éternité. We have heard the gospel so many times. Nous avons entendu des évangiles à maintes reprises. We know what it is to be saved. Nous connaissons ce que c'est d'être sauvé. We know that there is only one way to heaven. Nous connaissons qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. Jesus clearly says. Jésus l'a clairement dit. In John 14 verses 6. Dans Jean 14 6. He says, I am the only way. Il dit, je suis le seul chemin. I am the only truth. Je suis la seule vérité. I am the only life. Et la seule vie. He who wants to go to the Father, celui qui veut aller vers le Père, must come through me. Il doit passer par moi. That's the reason why he came to lay down his life. C'est la raison pour laquelle il est venu livrer sa vie. Because God the Father knew, parce que Dieu le Père savait, that however much you strive in your strength, que peu importe ce que tu peux faire de ta propre force, however much you try to live your good life, peu importe la manière dont tu veux vivre correctement, it will not be sufficient. Ça ne sera pas suffisant. It will not be good enough. Ça ne sera pas autant bon. To get you to heaven. Pour aller au ciel. So in his love for each one of us. Alors, par amour pour chacun d'entre nous, he sent his son. Il a envoyé son fils. To pay the price for your sins. Pour payer le prix de tes péchés. So that you can enjoy eternity. Pour que tu jouisses dans ton éternité. Eternity in the arms of your father. L'éternité dans les bras de ton père. Forever and forever. À jamais. Rejoicing in the presence of nous God. Nous réjouissons dans la présence de Dieu. That's why God said in the Bible. Voilà pourquoi la Bible dit. In John verses 3 verses 16. Dans Jean 3 16. John 3 16 says. Jean 3 16 dit. For God so loved this whole world. Car Dieu a tant aimé le monde. That he gave his only. Qu'il a donné son seul. His most precious. Son précieux. His most begotten. Son seul et unique fils. Son. Son seul et unique fils. To come and lay down his life for you and me. Pour qu'il vienne donner sa vie pour toi et moi. So whoever. Pour que quiconque is willing to accept that, qui est prêt à accepter who's cela, willing to believe on him, celui qui est prêt à croire en lui, he shall be saved. Il sera sauvé. The love of the Father soyez l'amour de Dieu, is le Père, for all of humanity. Et pour toute l'humanité. God does not look at you based on your nationality. Dieu ne te regarde pas se basant sur ta nationalité. God does not look at you based on your religion. Il ne te regarde pas par rapport à ta religion. God does not look at you based on your race. Il ne te regarde pas par rapport à ta race. He looks at you with the eyes of a father. Mais il te regarde avec les yeux d'un père. And he says, all of you are my children. Il dit, vous êtes tous mes enfants. And I desire. Et mon désir, that none of you should perish. Et que personne de vous ne se perde. That none of you should go to hell. Et que personne de vous n'aille en enfer. That none of you should face the fires of damnation. Que personne de vous ne subisse le feu de la condamnation. That is my desire. C'est ça mon désir. Then that's why he gave his only son. Voilà la raison pour laquelle il a donné son fils unique. Because the price for your sin. Parce que le prix pour vos péchés. The Bible says the price for your sin. La Bible dit le prix du péché. Is death. C'est la mort. But Jesus. Mais Jésus-Christ. Paid that price. Il a payé ce prix. By exchanging his life. En échangeant sa vie. So that you can have life abundantly. Pour que tu aies la vie en abondance. So that you can have life abundantly. Pour que tu aies la vie en abondance. Many a times we've heard this word.
Beaucoup de fois, nous avons entendu ces paroles. And we've always said in our hearts. Et nous le disons dans nos cœurs. I am young. Je suis jeune. I am strong. Je suis fort. I don't think it's going to be my time tonight. Je ne crois pas que ça sera mon temps pour partir. I don't think it'll be my time tomorrow. Je ne crois pas que demain sera mon temps pour mourir. But this is what the Bible says. Mais écoutez ce que la Bible dit. In James, dans le livre de Jacques, chapter 4, chapitre 4, verses 13 to verses 17, du 13e au 17e verset. This is what he's saying. Écoutez ce que la Bible dit. Come now. À vous maintenant qui dites. And pay attention to this. Prenez attention à cela. This is what I'm saying to each one of you here. C'est ce que je dis à chacun d'entre nous aujourd'hui. Each one of you who can hear the sound of my voice. Celui qui peut écouter ma voix. Each one of you who are watching online. Celui qui nous suit en ligne. This is what the word of God says. Écoutez ce que la Bible dit. Come now and pay attention to this. Venez et prêtez attention à cela. You who say, vous qui dites, today or tomorrow, aujourd'hui ou demain, we shall go to such and such a city, nous irons dans telle ville, and spend a year there, nous y passerons une année, and carry on our business, nous trafiquerons, and make a profit, et nous gagnerons. Yet you do not know, mais vous ne savez pas, about what may happen to your life tomorrow, ce qui arrivera demain. What is the security of your life? C'est quoi la sécurité de votre vie? You are merely a vapor. Vous êtes une vapeur. Like a puff of smoke or a wisp of steam from a cooking pot. Qui paraît pour un peu de temps. That is visible for a little while. Et qui disparaît ensuite. And then it vanishes into thin air. Qui paraît pour peu de temps et qui disparaît à coup de vent. Instead, you ought to say. Alors vous devez dire d'une manière instantanée. If the Lord is willing. Si Dieu le veut. We will live. Nous vivons. And we will do this or that. Et nous ferons ceci ou cela. But as it is said, mais comme il est dit, you boast vainly in your presentation. Pretensions and arrogance. Vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. As such, you boast. Your boasting is evil. Et alors que vos pensées sont orgueilleuses. So any person. Alors toute personne. So any person here. Toute personne en ce lieu. Who knows what is right. Qui sait ce qui est juste. To do. À faire. But does not do it. Mais qui ne le fait pas. To him, it is sin. Commet un péché. To him, it is sin. Commet un péché. John 3, verses 17 says, Jean 3, 16, 17 dit, He did not send his son to condemn this world. Il n'a pas envoyé son fils pour condamner le monde. But through his son, the world might have salvation. Mais c'est pour qu'à travers son fils, le monde ait le salut. Jesus has come to give you eternal life. Jésus est venu te donner la vie éternelle. He's come to give you the assurance. Il est venu te donner l'assurance. That if you accept him in your heart. Que si tu le reçois dans ton cœur. If you make the decision. Si tu te décides. To give him your life. De lui donner ta vie. And make him your personal Lord and Savior. Et faire à ce qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Just as my son and your brother Rudy Samuel did. Juste comme mon fils Rudy Samuel l'a fait. I assure you. Alors je t'assure. That you will celebrate eternity with him in heaven. Que tu vas te réjouir dans l'éternité avec lui au ciel. We will miss him for a few years, yes. C'est vrai qu'il va nous manquer pour quelques années. But the time is coming. Mais le temps est venu. When the trumpet will sound. Quand les trompettes vont retentir. And the dead will rise. Et les morts en Christ vont se lever. And we will be united with him once more. Et avec nous serons réunis à Christ. In the presence of our Father. Dans la présence de notre Père. This is the assurance that each one of us as Christians hold. C'est l'assurance que chacun d'entre nous en tant que chrétien avons. Why? Because Jesus laid that example for us. Pourquoi? Parce que Jésus a établi cet exemple pour chacun d'entre nous. If you continue reading in 1 Thessalonians. Si vous lisez encore dans le livre des 1 Thessaloniciens. If you have your Bibles back home, go back and read this. Même à la maison, relisez ce passage. Read on from verses 14. Lisez tout jusqu'au verset 14. And you will see what I am saying. Et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. But Jesus was the example. Que Jésus était un exemple. Just as he rose from the dead. Juste comme il est ressuscité de mort. My Bible says. Ma Bible dit. That this is our assurance. Que telle est l'assurance. This is our hope. C'est notre espoir. That one day. Qu'un jour. All those who are asleep in Christ. Que tous ceux qui sont morts en Christ. All those who are asleep in Christ. Tous ceux qui sont morts en Christ. Just like my brother Rudy Samuel. Juste comme notre frère Rudy Samuel. We shall rise again. Nous allons encore ressusciter. And all of us who are alive on earth. Et tous ceux qui sont encore en vie sur terre. Will be united one more time. Seront encore réunis. United one more time. Réunis encore une fois. In the presence of our Father. Dans la présence de notre Père. Hallelujah. Amen. We come from God. Nous venons de Dieu. For a mission here on earth. Et nous avons une mission sur terre. And when the time comes. Et quand le temps arrive. We go back to God. Nous
rentrant chez le Père. Let me tell you that one more time. Laisse-moi vous redire encore ce chose. In the natural, we do miss when a son of ours goes to be with the... Nous ressentons ce manque parce que notre fils est parti. In the natural, our hearts are broken when a brother, when a friend, when a loved one goes to be with the Lord. C'est vrai que naturellement parlant, nos cœurs sont brisés quand quelqu'un d'aimable, un frère, un fils est parti. But you need to understand this. Nous devons comprendre ceci. That God is our Father. Que Dieu est notre Père. And He sent us for a purpose. Et il nous a envoyés pour un but sur terre. And we are here to fulfill that purpose. Et nous sommes là pour accomplir ce but. And the time will come. Et le temps arrivera. If the Lord tarries. Si le Dieu tarde encore. Then as each one of us fulfills the purpose of our life. Alors que chacun d'entre nous est en train d'accomplir sa mission sur terre. We will be called back home. Nous serons rappelés encore au ciel. This is not our home. Ceci n'est pas notre maison. Le monde n'est pas notre destination finale. This is temporary. C'est juste temporaire. Heaven is our home. Le ciel, c'est là que notre maison Heaven est. Is our home. Le ciel est notre maison. We are born for a season. Nous sommes nés pour une saison. To fulfill the reason. D'accomplir la raison. For why God created us. Pour laquelle Dieu nous a créés sur terre. But heaven is our home. Mais le ciel est notre maison. So don't lose sight of your eternity. Alors ne perds pas vue de ton éternité. Don't lose sight based on the things that distract around you. Ne sois pas seulement distrait par les choses qui sont autour de toi en perdant vue de ton éternité. We live in a beautiful cosmopolitan city. C'est vrai, nous vivons dans des villes merveilleuses. With all the comforts of life. Avec tous les conforts de la vie. With everything so easy and available. Avec tout ce qui est disponible et facile à voir. With no responsibility in our lives. Et on n'a aucune responsabilité dans nos vies. But we got to remember. Toujours nous rappeler There is a God above qu'il y a un Dieu au-dessus who watches everything. Qui est en train de voir, de regarder toutes choses. The decisions we make, les décisions que nous prenons, the choices we make in this life, les choix que nous faisons dans nos vies, is going to determine your eternity. Vont déterminer où tu iras après ta mort. Don't waste a life that is so precious. Ne perds pas cette vie qui est précieuse. Chasing after frivolous things. Allant vers les choses sans valeur. Wasting it in the pubs. Perdant le temps dans des plaisirs du monde. Wasting it on all the pleasures of life that in the end lead to destruction. Perdant du temps dans les plaisirs du monde qui amènent à la destruction. But use that life. Mais utilise cette vie. To serve God. Pour servir Dieu. To fulfill the purpose why you were created. Pour accomplir le but pour lequel il t'a créé. Each one of you sitting here this evening. Chacun d'entre nous assis en ce lieu. Let me tell you this. Laissez-moi vous dire une chose. Regardless who you are. Ne tenant pas compte de ce que tu es. Regardless your family background. Peu importe ton origine. Regardless your nationality. Peu importe ta nationalité. Before you were created. Avant que tu ne sois créé sur terre. Your heavenly Father. Ton Père céleste. He created a purpose. Il a créé d'abord un but, une mission. Based on the purpose. Et c'est basant sur la mission. He created you. Il t'a formé. And everything that you require to fulfill that purpose. Et tout ce qui est important pour accomplir cette mission. He placed inside of you. Il les a disposés au-dedans de toi. So don't tell anybody that you are not gifted. Alors ne dis pas à quelqu'un que tu n'as aucun don ou talent. Don't tell people that you are not talented. Ne dis à personne que tu n'as aucun talent. You have everything that you require already on the inside of you to fulfill the reason why you were created. Tu as tout ce qui est nécessaire pour accomplir la raison pour laquelle tu as été créé sur terre. But the only way you can fulfill that reason. Mais la seule manière que tu peux accomplir ce but, the only way you can discover that purpose, la seule manière de découvrir cette mission, is to begin discovering your creator, est celle de découvrir d'abord ton créateur, is to begin discovering your God, commencer à découvrir d'abord ton Dieu. Don't base him on a God of religion, ne te base pas seulement à connaître un Dieu d'une manière religieuse, base him on a God of relationship, mais découvre-le en ayant une relation avec lui. He is a father, il est ton père, who desires to have a relationship with his children, qui a ce plaisir d'avoir une relation avec ses enfants. This evening, let me encourage you. Ce soir, laissez-moi vous encourager. That if you don't have this relationship, que si tu n'as pas cette relation avec Dieu, then let today be the beginning of a new dawn in your life. Laisse que ce soit ce point de départ dans ta relation avec Dieu. Let today be a new beginning of a new change in your life. Laisse que ce soit ce début de ce changement dans ta vie. It's time to get to know your Father. Il est temps d'apprendre à connaître Dieu. Because it's in the discovery of who your Father is. Dans la découverte de qui est ton Père. Is where you discover yourself. Que tu découvres même ta propre vie, même qui tu es. Am I brother Rudy? Samuel. Alors quand mon frère Rudy Samuel discovered himself, il s'est découvert lui-même in the discovery of his God. En découvrant son Dieu. That's the reason why he lived his life the way he lived. C'est la raison pour laquelle il a vécu comme nous l'avons vu. A life of love. Une vie d'amour. A life that was not selfish. Une vie qui n'était pas égoïste. A life that was not based on his
fantasies. Une vie qui n'était pas seulement centrée sur son propre plaisir. But a life to serve. Mais une vie de se donner servir les autres. A life to serve others. Une vie de servir les autres. I never knew about his condition. Je ne savais pas, j'étais pas trop au courant de sa condition. Till the morning I received a message. Jusqu'au matin où j'ai reçu un message. Saying that he was going in for a surgery. Il m'a dit qu'il devait être opéré. And immediately I called my brother Pascal. Et directement j'ai appelé mon frère Pascal. I said, what happened? Il dit, qu'est-ce qui se passe? He was strong and healthy. Il était en bonne santé, il était fort. What is this all about? Alors, c'est quoi qui se passe exactement? And that's when I got to understand. C'est là que j'ai maintenant compris. That he's been carrying this with him. Qu'il était en train de transporter cela avec but lui. But never once. Mais il n'avait jamais voulu. Did he allow his weakness or his condition? De laisser ce que sa faiblesse ou sa condition. To hinder his service to God. Empêche à ce qu'il ne serve Dieu. Never once. Il n'avait jamais voulu. Did he use it as an excuse? Utiliser cela comme étant une excuse. To miss a single practice. Pour rater même une seule séance de répétition. To miss church. De rater le culte. To miss serving his God. De rater le servir Dieu. Never once. Il n'avait jamais voulu. In whatever pain he went through, malgré les douleurs qu'il a endurées, in whatever condition that he was, malgré la condition dans laquelle il était, he always put others before himself. Il a toujours placé les autres devant lui-même. You have heard the testimonies today. Vous avez entendu les témoignages aujourd'hui. Of how he was there for people. Sur comment il était toujours présent of pour how les gens. He prayed for people. Sur comment il a prié pour les gens. Of how he called and he found out how they were doing. Sur comment il pouvait appeler les gens pour savoir comment ils allaient. And most of them will tell you this. Et beaucoup d'entre eux peuvent vous dire. Never once. Qu'il n'avait jamais voulu. Did they hear him complain about his condition? En aucune fois, il ne se plaint de sa condition. Most of them will tell you this. Et beaucoup d'entre vous diront. They did not even realize he had a problem. Qu'il ne savait même pas qu'il avait ce problème. Rudy Samuel glorified God with all that he had. Rudy Samuel a glorifié Dieu avec tout ce qu'il avait. What is your excuse? Alors, c'est quoi ton excuse? God has given you life. Dieu te donne la vie. He's given you strength. Il te donne sa force. What are you doing with it? Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? What are you doing with it? Comment tu utilises cette force là? Chasing after your own pleasures? Ou bien tu vas juste courant derrière tes propres plaisirs? Wasted years. Gaspillant les années. Why? Pourquoi? This evening I place this before you. Ce soir alors je place cela devant toi. Make a decision. Prends cette décision. That you will make every breath of your life count. Que tu feras ce que chaque souffle de ta vie compte. There is so much potential in each one of you. Il y a beaucoup de potentiel dans chacun d'entre nous. So much potential. Beaucoup de potentiel. Don't waste it. Ne gaspille pas cela. Don't waste it. Ne gaspille pas cela. Make your life count. Laisse que ta vie compte. You have just one life to live. Tu n'as qu'une seule vie à vivre. Only one life to live. Il n'y a qu'une seule vie à vivre. What you do with it? Qu'est-ce que tu fais avec cette vie? Is in your hands. Alors La décision te revient. God will never force you against your will. Dieu ne peut jamais te forcer à faire des choses qui sont contre ta volonté. But he keeps reminding you over and over again. Mais il continue encore à te rappeler encore et encore. That he loves you. Qu'il t'aime. He loves you beyond words. Il t'aime au-delà des paroles. You are always on his mind. Tu es toujours dans sa pensée. He's always thinking good thoughts towards you. Il a toujours des bons projets pour toi. He's thinking about your future. Il pense de ton lendemain. He's planning your future for you. Il est en train de planifier ton lendemain. But you need to be able to bring him a partnership with him in your life. Mais tu dois avoir ce partenariat, bien cette collaboration avec Dieu. Involve him in your decisions. Inclus Dieu dans tes décisions. Build a relationship with your God. Bâtis une relation avec ton Dieu. Build a relationship with your Father. Bâtis une relation avec ton Père. Don't let Christianity be just another religion to you. Ne laisse pas que la chrétienté soit juste une religion pour toi. Let it become a lifestyle of relationship. Laisse que ce soit un style de vie pour ta relation. Live for God. Vis pour Dieu. Honor him with your life. Et honore-le avec ta vie. And may people remember you. Et laisse que les gens se rappellent de toi. For what you have done. Pour ce que tu as fait. Let us close our eyes this morning. Fermons nos yeux ce soir. As we get ready to close. Alors que nous allons clôturer. And I call Pastor Stephen to come forward. Et nous allons appeler le pasteur Stephen. He's going to pray with all of us. Il va prier avec tout. He has a few words in his heart that he wants to share too. Et il a une parole dans son cœur qu'il aimerait partager avec nous tous. Because like I said. Comme je l'ai dit. Rudy Samuel was not just another face in the crowd. Rudy Samuel n'était pas juste un autre visage ou une autre personne dans la foule. He was a man after God's own heart. Il était un homme selon le cœur de Dieu. He was a man after God's own heart. Il était l'homme selon le cœur de Dieu.
A man who impacted lives. Un homme qui a impacté les vies. A man who was a friend to the brokenhearted. Un ami qui était, c'était un homme qui était ami aux gens qui avaient les cœurs brisés. A man who loved without expecting anything in return. Un homme qui a aimé sans attendre rien en retour. Let us celebrate his life this evening. Célébrons sa vie ce soir. Pastor Stephen. I know that just before we pray this evening, alors avant de prier ce soir, I just want to kindly ask your permission to take just a few minutes. Alors j'aimerais vous demander la permission de prendre quelques minutes. First and foremost, to thank you for coming out this evening. Pour avoir remercié chacun d'entre nous du fait que vous êtes là ce soir. As a sign of gratitude for the life of our brother Rudy. Comme un signe de reconnaissance par rapport à la vie de notre frère Rudy. Also, your presence here is the testimony to his father. Même votre présence est un témoignage envers son père. Of the life and impact that his son has made on your lives. Par rapport à la vie et l'impact que son enfant a eu dans vos vies. So he doesn't go back home mourning, but he goes back home rejoicing that my son has done something amazing. Alors il ne rentre pas pleurant chez lui, mais il rentre plutôt se réjouissant de ce que son fils a eu à faire dans nos vies. So I just want to thank you for taking the time to come this evening. Alors je vous dis merci pour avoir disposé de votre temps ce soir. Your presence here is a blessing and encouragement to us and to this family. Votre présence est une bénédiction et un encouragement pour nous et pour sa famille. So from the bottom of our heart, we thank you. Du fond de nos cœurs, nous vous disons merci. I'm not very good with funerals, memorial services. Je ne suis pas aussi bon en faisant des oraisons funèbres. I am very easily emotional. Je suis trop émotionnel. So I'm just going to take a couple of minutes and pray that I don't cry before I finish, okay? Alors je vais quand même faire de mon mieux pour ne pas pleurer avant de finir. Amen. You're praying or you started praying already? Okay. You know, especially during times and moments like this. Généralement dans ces genres de moments. Many people have this question that we struggle with a lot. Il y a beaucoup de gens qui ont cette question qui fait office de lutte avec Dieu. Why? Pourquoi? We can't understand why. Nous ne comprenons pas le pourquoi. And many of us, especially during times like this. Et beaucoup d'entre nous dans ce genre de moment. You know, we can get shaken. Nous pouvons être secoués. We can get broken. Nous pouvons être brisés. Because we don't understand what has happened. Parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui s'est passé. Many people would have been praying with everything that they had. Sûrement qu'il y a des gens qui ont eu à prier avec tout ce qu'ils pouvaient. I believe the family and all his friends. Et même sa famille et tous ses amis. You know, cried and prayed to God. Ils ont crié et prié vers Dieu. And we believe that, you know, that God is going to heal him. Et nous demandons que Dieu, nous espérons que Dieu allait le guérir. But the question that we walk away from, especially moments like this. Mais la question qui ressort de ce genre de moments. Is why. C'est que le pourquoi. And the more we dwell on this question. Et plus nous restons sur cette question. You know, God just showed me two things, and I just want to share that with you. Dieu m'a montré deux choses que j'aimerais partager avec vous. Many a times we get so caught up with the reason. Et à maintes reprises, nous sommes plus rattrapés par les raisons. And the reason, when we don't get it, you know, it just makes us feel so hurt. Et ces raisons qui font que nous sommes encore plus brisés ou blessés. But God just says, wait for the result. Mais Dieu te dit attends juste le résultat. Because the result will explain the reason. Parce que le résultat expliquera la raison. I don't know whether that makes sense to you. Je ne sais pas si cela a un sens pour toi. Because even when somebody gives you a good explanation of what happened. Parce que même si quelqu'un doit te donner une explication de ce qui s'est passé. You will still walk away troubled with everything that's going on. Tu vas toujours repartir troublé par ce qui se passe. But when you see a result. Mais quand tu vois le résultat. Then the reason starts making sense. Alors c'est là que la raison prendra son sens. We never know why at this time he went to be with the Lord. Nous n'avons jamais connu pourquoi en ce temps particulier il est parti rencontrer le Seigneur. But one thing I am assured. Mais une chose qui est sûre, qui me rassure, when you are a child of God, c'est que quand tu es un enfant ou un fils de Dieu, you are covered by the blood of God, tu es couvert par le sang de Dieu, and nobody can take your life. Et personne ne peut juste mettre fin à ta vie. All the witches in hell can come and do whatever magic they want, they cannot take même your si life. Même si tous les sorciers se réunissent pour faire toutes leurs
sorcellerie ou magie, ça ne peut pas mettre fin à ta vie. What can be more powerful than the blood of Jesus? Qu'est-ce qui peut être aussi puissant que le sang de Jésus? Amen. Amen. Nothing can rob your life. Rien ne peut mettre fin à ta vie. It is him who gives your life, and c'est him that will take. Il dit, je donne la vie et je la reprends comme je le veux. But he will only take at the time that he has already appointed. Mais il ne reprend ta vie qu'au moment qu'il a planifié ou établi. Because he sees the end from the beginning. Parce qu'il voit la fin de le commencement. And the purpose for why he called you. Et le but pour lequel il t'appelle. When he sees that accomplished. Quand il voit que cela a été accompli. He says your work is done. Il dit, ton œuvre a été accomplie, c'est you fait. May not have seen what his life and the purpose of his life was. Peut-être tu ne peux pas, tu n'as pas peut-être eu le temps de voir le but, qu'est-ce qui était le but de sa but vie. But I believe that in the fullness of time. Mais je crois que dans la plénitude du temps. God will show you and reveal to you. Dieu te le révélera et te le montrera. So we don't ask why. Alors ne demandons pas pourquoi. Because the answer that we will receive still may not make sense to you. Parce que la réponse que nous aurons ne fera aucun sens. So I'm waiting to see the result of his life. Alors j'attends voir le résultat de sa vie. Today was a small glimpse of the result of his life. Aujourd'hui était juste un petit aperçu du résultat de sa vie. But I believe there's so many more people that are here or may not even be here that will share even more. Mais je crois qu'il y a peut-être des gens qui ne sont même pas en cela qui peuvent aussi partager plus que ce qui a été partagé ce soir. The fullness of everything will only you. Will only get a revelation at the end. Ce n'est que la plénitude de sa vie qui nous donnera la révélation à la fin. Then every tear makes sense. Et c'est là que chaque larme comptera ou aura un sens. Every pain is justified. Où chaque douleur sera justifiée. Because the joy will always be greater than the pain. Parce que la joie sera toujours plus grande que la douleur. The sorrow will last for a night. La nuit vient le chagrin. Joy will be your portion in the morning. Mais le matin, la joie est ton partage. A night time symbolizes a time where we can't see, we can't understand, there's no light. Vous savez, la nuit symbolise un moment où nous ne comprenons rien, où il n'y a plus de lumière. But there's a morning that is coming. Mais il y a un matin qui vient. That will bring light into every darkness in your life. Qui amènera la lumière dans toutes les ténèbres de ta vie. Questions that you didn't get answers to. Les questions qui n'ont pas été répondues. Situations that you're struggling with. Les situations qui ont fait office de lutte. And the joy that you will realize. Et la joie que tu vas réaliser. Will be greater than the pain that you endured. Sera plus grande que la douleur que tu as endurée. I'll just give you one small example and we'll close. Alors je vais donner un petit exemple et nous allons clôturer. It's painful for a lady to give birth to a baby. C'est douloureux quand une femme veut accoucher. They have to go through and endure a pain. Elle doit endurer un moment de douleur, de contraction. But they don't abort the baby because the pain is severe. Mais elle n'avorte pas à cause des contractions ou de la douleur qu'elle ressent. Because they know that the joy that awaits them. Parce qu'elles savent que la joie qui les attend. Is greater than the pain that they're bearing. Elle est plus grande que la douleur qu'elles sont en train d'endurer maintenant. I don't know whether that makes sense to you. J'espère que cela a un sens pour vous. So although you might be in a time or a period of mourning, bien que tu sois dans un moment de deuil, of questioning, un moment où tu te poses des questions, of trying to figure out why I prayed, why didn't God not answer? Où tu essaies de comprendre pourquoi j'ai prié mais pourquoi Dieu n'a pas répondu. One thing I believe, il y a une chose dont je crois, His plans and His ways and His thoughts are higher than what we can even imagine. C'est que son plan, sa pensée, ses voies sont toujours plus élevées que ce que nous avons pensé. So I'm waiting for the day. Alors j'attends le jour where I can look back and say, God, I thank you. Où je peux regarder en arrière pour dire, Seigneur, je te dis merci. Although we didn't understand. Bien que nous n'avons pas pu comprendre. But we still praised. Mais nous continuons à te louer. To hear the Father speak like that. Vous savez, entendre son père parler de cette manière. I know that he was broken. Je sais qu'il était brisé. But he says we are not here to cry. Mais il a dit, nous ne sommes pas ici pour pleurer. We are here to celebrate. Nous sommes ici pour célébrer. We are here to give glory to God. Nous sommes ici pour glorifier le Seigneur. It does not make sense to the world. Vous savez, au regard du monde, ça n'a pas How de sens. Can you give glory to God in a painful time? Comment peux-tu glorifier Dieu dans un moment triste ou douloureux? The reason why. La raison derrière ça. Is because we know that what God will do. C'est parce que nous connaissons que ce que Dieu fera. Is greater than what we endure. Sera plus grand que ce que nous endurons. And I believe, Brother Hubert. Et je crois. Your family is blessed. Ta famille est bénie. In a way that you will never even imagine. D'une manière où tu ne peux même pas imaginer. Because the lives that he has touched. Parce que la vie dont votre fils a impacté. Is not only a reward to his life. Ce n'est pas seulement une récompense pour sa propre vie. It's a reward to your family. Mais c'est une récompense pour votre famille. And you'll only realize that at the end. Et tu le réaliseras à la fin. I want the question that even Pastor Sean left with you. Et même la question que le pasteur nous a laissé avec. Who is going to cry for you? T'es qui va pleurer pour toi? Who is going to ever miss you?
qui va te manquer. We all know we're going to go sometime. Nous connaissons qu'il y a tôt ou tard nous partirons aujourd'hui but aussi. Who will stand up and say it's because of him and it's because of her? Mais qui peut se tenir pour dire que c'est à cause de lui ou à cause d'elle? That my life has been impacted. Que ma vie a été impactée. That I have a reason to push on. Que j'ai une raison encore de pousser en avant. Or will people just forget you as you just disappear? Ou les gens vont juste t'oublier après ta mort. The greatest blessing that you can ever have. La plus grande bénédiction que tu peux avoir. Is not the degrees that you will earn. Ce ne sont pas les certificats, bien les degrés que tu peux avoir. It's not the number of Facebook friends you can have. Ce ne sont pas le nombre d'amis sur Facebook que tu peux avoir. But it's hearts that you touch. Mais c'est le cœur dont tu as impacté. It's hearts that you touch. Les cœurs que tu as impacté. That will leave a reward. Qui vont laisser une récompense. Not just that will last this world. Pas seulement pour ce monde. But will last you for eternity. Mais qui vont durer même dans l'éternité. Who are you impacting? Qui es-tu en train d'impacter? Who are you a blessing to? Devant qui tu es une bénédiction? Look to be a blessing to somebody this year. Cherche à être une bénédiction pour quelqu'un cette irrespective année. Irrespective of what's going on in your life. Malgré ce qui se passe dans ta vie. Put yourself away for a moment. Essaie de t'oublier un peu pour un moment. And say that this life is greater than just me. Et dis cette vie est juste plus grande que moi. Let me help somebody wipe their tear. Laissez-moi aider quelqu'un à essuyer ses larmes. Let me give hope to somebody's life. Laissez-moi donner de l'espoir à quelqu'un. And let me be there to put my arm around somebody when they're broken. Et laissez-moi celui qui peut mettre porter ou bien couvrir quelqu'un lorsqu'il est brisé. You may not have a lot of money. Peut-être tu n'as pas beaucoup d'argent. You may not have a lot of other things. Peut-être tu n'as pas beaucoup de biens. But one thing you have. Mais une chose que tu as. Is that you still have life. C'est que tu as encore la vie. And still till you have life. Alors déjà que tu as en vie. You can be a blessing to someone. Tu peux être une bénédiction pour quelqu'un. You can be a blessing to someone. Tu peux être une bénédiction pour quelqu'un. That one day. Qu'un jour, when people are putting up your picture, quand les gens mettront ta photo, they will say, ils diront, it's because of him, c'est à cause de lui, that I am blessed, que je suis béni, it's because of her, c'est à cause d'elle, that I understood love, que j'ai compris l'amour, that I understood forgiveness, que j'ai compris le pardon, that I understood that I need to be a blessing to somebody, que j'ai compris que je devais être une bénédiction pour quelqu'un. Maybe it's even because of her or him, peut-être c'est à cause de lui ou d'elle, that I am alive today, que je suis en vie aujourd'hui. Will somebody cry for you? Est-ce que quelqu'un pleurera pour toi? Not just for the moment because they knew you. Non seulement pour un moment parce qu'ils t'ont connu. But it's because you will leave a void that nobody else can fill. Mais à cause parce que tu as laissé un vide que personne d'autre ne peut remplir. This year. Alors cette année. You can be a difference to somebody's life. Tu peux être une différence dans la vie de quelqu'un. You can change somebody's life. Tu peux impacter ou changer la vie de quelqu'un. You can impact somebody's life. Tu peux impacter la vie de quelqu'un. Stop thinking it's all about you. Arrête de penser rien que sur toi. The very fact that you're still alive. Même le fait pour lequel tu es encore en vie. Is God has still got a purpose to fulfill in your life. Parce que Dieu a encore un but, une mission à accomplir à travers ta vie. Don't close your eyes. Ne ferme pas tes yeux. When you come to the end of your life. Et arrive à la fin de ta vie. In regret. En regrettant. That's the worst feeling you can ever have. Ça c'est un sentiment le plus pire que tu peux avoir. The regret is that I wasted my life. Le regret de savoir que tu as gâché ou gaspillé ta vie. You can have a lot of friends alive. Tu peux avoir beaucoup d'amis en vie. And you will die alone. Et tu vas mourir seul. And no one will mourn you. Et personne ne te pleurera. But if you can be a blessing to someone, mais si tu peux être une bénédiction pour quelqu'un, you will impact their lives forever. Tu vas impacter leur vie à jamais. And their families and their families and their generations. Et même de génération en génération. That's a word for somebody. You can impact generations. Ça c'est une parole pour quelqu'un. Tu peux impacter les générations. This young man at 24 years old. Ce jeune homme de rien que 24 ans. Has already impacted generations. A déjà impacté des générations. When will you wake up and say? Quand vas-tu te lever et dire? Let me not take my life for granted. Ne me laissez pas prendre ma vie comme acquis. Let me start impacting my generations. Laisse-moi tenir debout et commencer à impacter les générations. That is the greatest gift that you can leave in this world. Ça c'est un plus grand cadeau que tu peux laisser au monde. And the greatest gift that you can take to eternity. Et le plus grand cadeau que tu peux amener avec en éternité. Be a blessing. Sois une bénédiction. Be a blessing. Sois une bénédiction. Can you turn to someone next to you and say, "Be a blessing"? Peux-tu dire à ton voisin, sois une bénédiction. If there's one thing that you will walk away this evening with. S'il y a quelque chose que tu dois sortir avec ce soir. Tomorrow is a gift. Demain, c'est un don. That I am going to gift to someone. Que je vais donner à quelqu'un. Tomorrow is a gift. Demain, c'est un don. That I am going to gift to someone. Que je vais doter à quelqu'un. I don't know who you're going to find to be a blessing to.
Je ne sais pas qui tu vas trouver pour être une bénédiction. But at the end of the year, mais à la fin de l'année, you can look back at your life, tu peux regarder ta and vie say, God, I thank you, et dire, Seigneur, je te rends grâce that I was a blessing this year. Parce que j'étais une bénédiction cette année. Give me more. Donne-moi encore plus. Give me more opportunities. Donne-moi plus d'opportunités. And every person that you touch, et chaque personne que tu touches, you'll be the extension of God's touch on their life. Tu seras l'extension du toucher de Dieu dans leur vie. I pray that that will be your testimony. Je prie que cela soit ton témoignage. I know that was his testimony. Je sais que c'est son témoignage. I know that's what the father will take back when he goes home. Je sais ce que le père va emmener avec lui chez lui. In many ways, this was like a closure. Et dans beaucoup de manières, c'était comme une couverture. This was like a closure. C'était juste une couverture. That he can go back home. Qui peut partir. Not with questions. Non avec des questions. But with answers. Mais avec des réponses. Because he has seen firsthand. Parce qu'il a vu. He has heard firsthand. Il a été un témoin oculaire. The life and the impact his son has made. Que la vie et l'impact que son fils a eu. Let someone have that testimony about you. Laisse quelqu'un ait ce témoignage sur toi. And this world will be a better place. Et ce monde sera un endroit bon ou merveilleux pour toi. Bring some healing in the brokenness that you see around you. Amène des guérisons dans les cœurs brisés que tu vois autour de toi. I'd like you to stand as we're going to pray. J'aimerais que tu te tiennes debout alors que nous voulons prier. And I want to pray for you. Et j'aimerais prier pour toi. And together as a family. Ensemble comme une famille. That everyone that has come here. Que tout le monde qui est ici. We're going to pray for the family of our brother Rudy. Nous allons prier pour la famille de notre frère Rudy. And I believe that whatever has been taken away from this family. Et je crois que tout ce qui a été volé ou arraché de sa famille. God will restore it so much more. Dieu va restaurer encore plus. The medical bill was very high. C'est vrai que les frais médicaux étaient trop coûteux. But I believe God will replenish. Mais je crois que Dieu va restituer. Every dollar that was taken out. Chaque dollar ou bien chaque montant qui a été dépensé. Let it be refunded tenfold. Laisse qu'il soit restitué en abondance. Amen. Amen. So I want to pray with you and then we're going to pray with this family. Alors, nous allons prier pour cette famille. Can you just hold the hand of your neighbor if you don't peux-tu mind? Peux-tu toucher la main de ton frère? If you're uncomfortable, voisin? That's okay. Father, I just want to thank you right now. Père, nous voulons te dire merci maintenant. Even as we hold the hand of our neighbor. Alors que je tiens la main de mon voisin. Father, I release a blessing upon their lives. Père, je relâche la bénédiction sur leur vie. As real as the hand that I'm holding. Aussi vrai que la main que je tiens. Even more real is your embrace on your life. Même plus réel est la manière dont tu nous couvres. That's how much more he loves you. C'est comment la manière dont il t'aime. Even more real than the person you're touching. Même plus réel que la personne que tu touches. Father, I release a blessing upon everyone that has come here. Père, je libère la bénédiction sur chacun de nous qui Although est présent. Although we might have come to mourn and to remember the loss. Même si nous sommes venus pleurer et nous rappeler de ce qui sont partis. Sometimes we have questions. Des fois nous avons des questions. But one thing we want to do this evening is we want to surrender. Et que nous voulons nous abandonner. Help us to be an impact like our brother Rudy. Aide-nous à être un impact comme notre frère. Help us to touch somebody's life. Aide-nous à toucher la vie de quelqu'un. Help us to put somebody else above our own needs. Aide-nous encore à flécher nos genoux pour quelqu'un. Help us to be something for somebody else. Aide-nous à être quelque chose pour quelqu'un d'autre. Father, I know that so many here are hurting. Père, je sais qu'il y a de ceux qui ont été blessés. So many of us here are also going through their own problems. Il y a de ceux qui ont aussi leurs problèmes en ce lieu. But if one thing I heard from everybody who's spoken. Mais une chose que j'ai entendue de chacun d'entre nous qui a témoigné. That our brother Rudy. Que notre frère Rudy. He put others above his own pain. Il a placé les autres au-dessus de ses douleurs. And I pray that we take this example in our lives. Et je prie que nous prenions cet exemple dans nos vies. Somebody once said. Quelqu'un a dit, don't tell me about your God. Ne me parle pas de ton Dieu. Show me your God. Montre-moi ton Dieu. And the only way that you can show your God. Et la seule manière de montrer ton Dieu. Is through your life. C'est à travers ta vie. In this broken world. Dans ce monde brisé. I pray, Lord, even as we go through this year 2018. Je prie, Père, alors que nous sommes en train de vivre cette année 2018. It's so difficult to be able to wish the family Happy New Year. C'est difficile de souhaiter à cette famille Because bonne in année. The natural, how can you say a Happy New Year when we just lost somebody? Parce que naturellement, comment pourrons-nous dire bonne année alors que nous avons perdu quelqu'un? But God is going to fill every tear. Mais Dieu va remplir toute l'âme. God is going to heal every brokenness. Dieu va guérir tout brisement. And God is going to restore everything that is lost. Et Dieu va restaurer tout ce qui a été perdu. May this year be a year of new beginnings. Que cette année soit une année d'un nouveau départ. May this year be a year of new things that God will do in
in your lives and through your lives. Une année de nouvelles choses que Dieu va faire dans ta vie et travers ta vie. That even as you come back to the end of the year. Et que même quand nous arriverons à la fin de l'année. You will look back and say. Tu vas regarder et dire. It was a blessed 2018. C'était une année 2018 bénie. Although there's so many things that we don't understand what happened. Bien qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu comprendre. The Bible says. La Bible dit. He will turn all things. Il fera ce que toutes choses. For the good. Concourir. Everything that was meant to turn to break you. Tout ce qui était destiné à te faire du everything mal. Everything that was meant to destroy you. Tout ce qui était destiné à te détruire. Everything that was meant to rob you. Tout ce qui était destiné à te the voler. The Bible says. Mais la Bible dit. That he will turn all things. Il va faire concourir toutes choses. For the good. Pour le bien. For those who love de him. De ceux qui l'aiment. And are called according. Et ceux qui sont appelés. To his purpose. Selon son dessein. Even at this time of loss. Même alors dans ce moment de perte. Even at this time of mourning. Même dans ce moment de deuil. God will turn the situation. Dieu va faire concourir la situation. Into one of the greatest blessings. À être une grande bénédiction. Father, right now. Père, maintenant. We just want to reach out to the family of Brother Rudy. Nous voulons juste alors prier pour la famille de notre for frère his Rudy. Father, for his uncle Junior. Pour son père, pour son oncle Junior. His cousin. Ses cousins. And his brothers and sisters and his mother back home. Ses frères et sœurs et sa mère au pays. We want to tell you. Nous voulons vous dire. That we are with you. Que nous sommes avec not vous. Just in the good times. Pas seulement dans les bons but moments. But we are with you in your pain. Mais même dans vos douleurs. We are all a family. Nous sommes tous une famille. And God has brought us together as a family. Et Dieu nous a amenés ce lieu comme une famille through this young boy via la vie de ce jeune homme and we know et il sait that one day qu'un jour together as an entire family ensemble comme une famille entière we will celebrate him nous allons le célébrer we will meet him nous allons le rencontrer and we will just say thank you nous allons juste dire merci for connecting us pour cette connexion que tu as créée thank you Lord for the life that he lived. Merci Seigneur pour la vie qu'il a vécue. I thank you Lord for the blessing that he was. Merci pour la bénédiction qu'il était. May we never forget. Que nous n'oublions jamais. The impact that he has made in our lives. L'impact qu'il a laissé dans nos vies. By all the distractions that will come into our lives. Par les distractions qui peuvent venir dans nos vies. So I thank you even as we remember this day. Merci alors que nous nous rappelons de ce jour. Not to cry and to mourn. Non seulement pour pleurer et être en deuil. But to rejoice. Mais pour nous réjouir. Because what you're going to do through this breaking moment. Parce que ce que tu vas faire à travers ce moment de brisement de douleur. Is going to be something beautiful. Ça va être quelque chose de merveilleux. In their families. Dans leur famille. That people will know. Et les gens sauront. And the years that will follow. Et les années qui suivront. They will look back to this day. Ils vont regarder en arrière. And they will thank you. Once again. Et ils vont encore te dire merci. So we just give you thanks for our brother. Alors, te disons merci pour notre for frère. The years that he has served you faithfully. Pour les années qu'il t'a servi fidèlement. For the friend that he has been to us. Pour l'ami qu'il a été. For the brother that he has been. Pour le frère qu'il a été. For the person that you made him. Pour la personne dont tu as formé. I thank you once again. Nous te disons merci encore for une the fois. Gift that you gave us. Pour le don que tu nous as donné. We will treasure forever. Nous allons encore nous en réjouir à jamais. I thank you, Lord. Merci. I speak a blessing over the family. Je déclare la bénédiction sur la I famille. I speak peace. La paix. And I speak strength in this moment. Et je déclare la force dans ce moment. For all the pain and the tears. Pour toutes les douleurs et les larmes. His brothers and sisters and extended family. Que ses frères et sœurs et sa famille élargie. Release your presence of peace. Relâche ta présence de paix. And strengthen their hearts. Et fortifie leur cœur. I thank you. Nous te rendons grâce, Seigneur. We as a family, we stand with them in prayer. Nous comme une famille, nous tenons en prière pour and eux. And I know it would have been Rudy's cry. Et je sais que ça va être les pleurs de Rudy. Let the people hear. Laisse que les gens qui sont ici. And let them know. Et laisse qu'ils sachent. That God is God. Que Dieu est Dieu. And there is none beside Him. Et il n'y a personne au-delà de lui. And there is none like Him. Et il n'y a personne comme and lui. And there will never be anyone. Et il n'y aura personne. That will even come close to Him. Qui ne peut s'approcher de lui ou être comme lui. And He must be crying out. Et sûrement even at this last time. Même au dernier jour de sa vie. God touch my friends. Il pouvait pleurer et dire Seigneur touche mes amis. Touch my family. Touche ma famille. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Even as we go from this place this evening, même alors que nous quittons ce lieu, I thank you once again. Nous te disons merci encore for une fois. For every single person that has taken the time to come this evening, pour chaque individu qui a disposé de son temps ce soir, may this year be a year of impact in your life. Laisse que cette année soit une année d'impact dans ta vie. Greater than all the years that have been behind. Plus grande que les années passées. And may God use you to be an impact in somebody's life. Laisse que Dieu t'utilise pour être un impact dans la vie de quelqu'un.
And the testimonies that you will have et les témoignages que tu auras is only for his glory. Ce n'est que pour sa propre gloire. And I want to him that is faithful à celui qui est fidèle as he continuously holds you alors qu'il continue encore à te prendre guides you and leads you à te guider à t'orienter protects you and provides for you à te protéger et à pourvoir may pour his toi. Grace laisse que sa grâce his favor sa faveur his love son amour and his blessing be upon you et sa bénédiction soit sur that toi in every step that you take laisse que chaque pas que tu fais every decision that you take chaque décision que tu prends May you acknowledge him. Que tu le reconnaisses. And every day that you live. Et chaque jour que tu vis. Help him take you closer to your destiny. Laisse qu'il t'amène encore plus proche de ta destinée. So that at the end of your life. Pour qu'à la fin de ta vie. You can look back and say. Tu peux regarder en arrière et dire. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. May that be your cry. Laisse que cela soit and ton. And may that be your prayer. Laisse que ce soit ta prière et tes cris. And may he and he alone. Et laisse que lui seul. Receive all the glory. Reçoive toute la gloire. All the honor. Tout l'honneur. And all the praise. Et toute la louange. And all God's people shout. Et nous disons amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank. Excusez-moi de prendre encore une fois la parole. So I'm sorry to say a word again. Je voulais dire que certainement Samuel est parti. I would like to say that surely our brother has gone. Mais il a laissé la famille et il a laissé les amis. But he has left his family and his friends. J'ai eu beaucoup de messages de par le monde. I received so many messages throughout the world. Ses frères, ses sœurs qui sont restés. His brothers and sisters who are left. Sont restés avec d'autres frères. Are left with some other brothers. D'autres grands frères, grandes sœurs. Other elder brothers and sisters. Que vous êtes. That you are. Notre maison. Our house, our home. Reste ouverte à vous tous. Is open to everyone. Ça va consoler non seulement la famille, it would not only comfort the family, mais au moins, but at least, ses sœurs, his sisters, qui sont nombreuses, who are really many, ses frères qui sont nombreux, his brothers who are many, diront que notre grand frère nous a légué un certain héritage. Can say our brother has left us a legacy. Il nous a prêché, he has preached to us, la solidarité de la famille, solidarity in the family. Venez, come. Nous vous accueillerons toujours. We are always going to welcome you, puisque vous êtes nos enfants. Because you are our children. Vous êtes toujours et vous étiez, vous serez toujours. You were, you les are, amis de Samuel. And we always be Samuel's friends. Nous vous accueillerons toujours. We are going to welcome you always. Ce mercredi, this Wednesday, il est avec la grâce de Dieu. By the grace of God, il est planifié que. Is planned. Le corps soit retiré de la morgue. That his body will be taken from the mortuary. Et qu'on puisse envisager déjà de rentrer au pays. And be planning to go back home. Et je sais que vous avez des multiples occupations. I know you all have your own occupations. Une minute de prière. You know, a single minute of prayer. Votre présence. Your presence. Durant ce moment qui sera douloureux. During this painful time. Avec nous. With us. Sera un très grand réconfort. Can be a great comfort. Merci. Thank you. So I want to give you the opportunity to just meet his father and his cousin and his uncle. Je voudrais vous donner l'opportunité de rencontrer son père, son oncle et ses cousins. And just to shower your love and your wishes on them. Et leur montrer votre amour et vos souhaits pour eux. I also want to tell you, Mr. Hubert. Je voudrais aussi dire au papa de Samuel. The offering that you had given. Que l'action de grâce que vous avez donnée. Is going to go into investing into the youth program that is going to happen on 13th and 14th. Et cela va investir dans le camp de jeunes qui va se passer le 13 et le 14 de ce mois de janvier. We are investing that into somebody's life. Nous allons investir dans la vie de quelqu'un. So may the seed that you have planted. Laissez que la semence que vous avez semée. That we're going to plant in somebody's life. Nous allons aussi planter dans la vie de quelqu'un. Be the result and testimony of your for your family. Un résultat, un témoignage pour votre famille. Amen. Amen. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. And until we meet again. Et jusqu'à ce que nous allons encore nous revoir. May His presence go with you. Que sa présence soit avec vous. We love you very much for coming out this evening. Nous vous aimons de fait que vous êtes là ce soir.
Amen. And just so take this moment and just share your love with the family. Et prenez ce temps et montrez votre amour au Père. God bless you. Que Dieu vous bénisse. If I could ask all the choir, the entire choir, if you could please come up on the stage. Thank you.